C'est parti là, Et bonsoir à toutes et à tous. Salut. Bienvenue. Bienvenue. Comment allons-nous? Eh bien, vous aurez remarqué que je ne suis pas tout seul. Alors, c'était déjà le cas avec ce cher Murder et ce cher Wiper auparavant. Mais vous aurez remarqué que chez moi, il y a quelqu'un. Où ça? Où ça? Où? Qui se dénonce? Salut Amir. Il y a un mec là-bas, salut. Ça va? Ouais, t'es où? Ah, t'es à côté de moi, c'est incroyable! L'arsenic ne connaît pas de limite avec nous. Alors attendez, juste un petit instant. Voilà, je nous débarrasse des barres latérales de sécurité. Et bonsoir à ceux qui nous rejoignent, Ange Calo. Bonsoir, Raiden, les fidèles. Et j'arrête de vous faire de l'ASMR avec. Mon récent unboxing, on va se prendre le temps pour que vous arriviez, que vous vous posiez évidemment, hein. Bienvenue à toutes et à tous, vous êtes sur la chaîne M le Mehdi et vous le savez, là aussi, les habitués, mais qui sont avec nous, à savoir Murder, coucou Murder. Tout le monde, j'espère que vous allez bien et coucou le chat, et j'espère aussi que le chat va bien même. Et David, Wiper, David le jour, Wiper la nuit, qui est avec nous également. Bonsoir à tous et à toutes. Et on va continuer, évidemment, Resident Evil Village. Moi, j'étais saucé parce que je m'étais dit, ce soir, on va le terminer. Mmh. Mais en fait, non. Donc, c'est pas un mal. On n'entend presque pas Murder. Mais alors, Murder, il faut augmenter ton son, fais-toi. C'est un poste un petit peu. Là, mon... mais... pas taper direct. Voilà. Et si tu le rapproches à un pic. Tiens-toi plus en arrière, lève les bras. Tiens, solide ça, sur les appuis. Quoi. Et étoile. est-ce que pour David ça y a pas de souci pour Wiper est-ce que vous l'entendez convenablement avant qu'on lance tout ça? Et je remarque un petit détail d'ailleurs, Amir qui nous rejoint en cours de route, mais il ne fait plus nuit sur l'écran de sélection vu que le soleil vient poindre sur le village Resident Evil Village. Donc voilà. Je veux faire comme si je comprenais. Ouais, chose. On va faire genre. Ah ouais, non, ah mais ouais. Grave, ouais. Ouais, complètement. Alors, qu'est-ce qu'Amir est venu faire dans cette galère, vous direz-vous? Je le répéterai un petit peu plus tard. Alors, au-delà d'être un très bon pote, c'est également un collègue de podcast, viens, on en parle, recoming soon, parce qu'effectivement, on n'a pas été épargné par le confinement et aussi par les vacances, hein, parce qu'il fallait qu'on recharge les batteries, quoi. Faut pas déconner. Et c'est aussi un gros fan de Resident Evil, mais aussi quelqu'un qui bosse dans l'animation. Je vais te laisser un petit peu... déployer ton CV quelque peu pour qu'on puisse quand même justifier de ta présence et il faut que j'ai des raisons d'être là, c'est ça? C'est la plus-value, disons. Attends, que à chaque fois qu'on a des invités, on explique ils sont fans de Resident, mais aussi voilà, donc c'est un peu ça. Alors, tu veux quoi? Tu veux quelle partie de ma vie? Tu dis ce que tu veux. Je parle de partie animation dans le monde de l'animation, dans le jeu vidéo. Je travaille sur un dessin animé qui s'appelle Miraculous. Ça n'a rien à voir avec Resident Evil. Voilà, c'est un peu moins dark. Ça fait beaucoup moins peur. Même si j'ai la fille de mon pote qui à chaque fois me dit arrête, il y a les méchants et tout. Donc arrête, il y a des aussi. Petits poids sur la tue. Ah. Ouais, mais moi à son âge, je jouais à Resident Evil, tu vois. Donc je pense qu'il y avait comme déjà. Quoi, il y en a, ils aiment bien se balader en pyjama dans la rue et d'autres. Moi j'ai commencé à 6 ans aussi. Donc voilà. Après Mehdi, je crois qu'il voilà, il sort ça parce que j'ai travaillé au Japon à un moment donné dans ma vie. Et tout de suite, ça fait. Vous remarquerez l'humilité de l'homme. Hein. Ouais, c'est juste le début du CV. Hein. Mais c'est cette partie-là qui intéresse les gens en général plutôt, non? C'est oui, pas faux. Ils entendent le Japon. Voilà. Ouais, j'ai travaillé sur. Sur quoi j'ai travaillé? Je travaille sur Digimon, le remake. Après j'ai fait Persona, mais les films. Et j'ai un petit... Ah, non, c'est pas gentil ça. C'est pas gentil du tout. Hein. Le gros bâtard, oh, ça passe. Et j'ai fait un tout petit peu de FF15. Comme ça, je suis un tout petit peu responsable. Voilà. C'est pour ça qu'il est comme ça. C'est ça. il était sur l'animation, donc le naufrage. FF15, moi j'ai adoré. Donc. Le naufrage au niveau GD n'a rien à voir avec Amir. Moi j'ai bossé sur l'animation. On m'a dit fais de l'animation, je fais de l'animation. En fait, j'ai travaillé sur FF15 parce que j'étais en renfort. C'était pour vous dire à quel point c'était le bordel. C'était pas pour ça à la base que j'étais venu, mais il y a le mec qui travaille. Vas-y, excuse-moi, je t'ai coupé. J'allais dire, il fallait laisser la gestion de la caméra au stagiaire. Non, figure-toi que nous, c'était que la voiture. Il y avait un mec qui faisait que la voiture.
Il a passé sa vie sur la voiture. Putain. Et à un moment donné, il a dit j'en peux plus. Et du coup, il en est venu plusieurs sur lui pour l'aider à faire la voiture. Voilà. Ça n'a pas été trop lourd sur lui d'avoir tout. Si tu veux l'histoire, c'était, il a tellement galéré avec la voiture que c'est pour ça que quand la démo est sortie, il n'y avait pas la voiture de jouable dedans. Parce qu'il était trop en retard. Il n'arrivait pas à tenir la voiture. L'enfer. Voilà. En fait, le début du jeu, quand il pousse la voiture, c'est une allégorie de son taf sur l'animation de la caisse. D'accord, je comprends. Voilà. Mais bon, j'ai travaillé avec des mecs sympas comme ça. Les gars, je fais, tu fais quoi? Et toi, t'as fait quoi? Il m'a dit, ah, moi j'ai fait le Ifrit dans FF7. Je fais, ah, c'est bien. C'est toi? Ah, ok. C'est bien. Et toi? Ah, moi j'ai fait FF7. Moi j'ai fait les jantes. Ouais, non, mais c'est des mecs comme ça, tu vois. Et après, il me dit. Il m'a contacté pour Infinite Darkness, même pas. Donc pour ceux qui ne comprennent rien du tout, Amir, toujours pour noyer le poisson de sa modestie, vient de vous dire qu'il a tranquillou pilou bossé chez Namco Bandai, chez Square Enix, et aussi sur un jeu dans lequel je ne rentrerai pas en détail s'il a envie d'en parler un petit peu plus. Voilà. Disons que j'ai fait Arthur et les Minimoys. Voilà, ouais. Ça, c'est plus ringard, c'est plus français, là. Mais ça tabasse. Hein, j'ai beaucoup travaillé dessus. Mais ça tabasse. T'as fait plein de petits trucs indépendants. Oui, chez un mec. moi, j'aime pas travailler dans le système. Je trouve ça. C'est pas le genre de la maison. Révolte, rébellion. Et salut à celles et ceux qui nous rejoignent. Salut Néodragon, salut. J'ai resalué Raiden et Ange Calo. C'est gratuit, c'est comme ça. Et à celles et ceux qui nous rejoignent, si vous connaissez pas M. Le Mehdi, c'est plein de choses. C'est du jeu vidéo. Ah oui, il y a plein de gens qui écrivent des trucs sympas et tout. Ah, bah ouais. Même, mais oui, Digimon, bien sûr. Digimon représente. Il y a même eu Raiden qui t'a dit bienvenue. FF15 et tout. Ouais. Non, mais j'ai un œil. C'est là-bas que j'ai appris que Virtua Fighter, c'était Dragon Ball. Je savais pas. C'est pas une blague. De quoi? Vous saviez pas. Qui se raconte? Allez, anecdote. Le gars il m'a dit tu vois Virtua Fighter 1, il m'a dit c'est Dragon Ball à la base, sauf qu'on n'a pas eu les droits. J'ai fait ah bon. Mais non. Et après il me dit mais tu vois pas qu'il y a Tao Pai Pai qui est un super guerrier et qu'il y a tous les mecs dedans. Je lui dis ah ouais c'est vrai. Et il m'a dit oui. Et je lui dis ah sérieux. J'ai fait ah bon. Bah voilà, moi vous avez appris un truc que personne ne sait. Voilà, bon. Donc, on va briller en société. Secret développement. Je balançais du lourd. il va revenir. Non, mais c'est pour ça que j'aime bien l'avoir en dehors des moments où on soit pour faire l'émission Viens, on en parle. Évidemment, Viens, on en parle, que vous pouvez. Donc, vous pouvez retrouver. Et bonsoir, Acopolux. Salut. Apparemment, il cherche des pseudos que tu peux pas comprendre. Des cœurs pour arriver. C'est magnifique. C'est une personne que je vais voir très souvent et qui peut faire du genre commencer en début de soirée un stream et te le finir le lendemain début de soirée. Ah oui, la base quoi. Ouais. c'est bien. Oui, donc nous avons donc un marathonien avec nous. Bienvenue à toi, et si tu connaissais pas la chaîne, donc j'allais le dire dans quelques instants, viens on en parle. Donc c'est de la mangas, des jeux vidéo, des comics, du cinéma, de la série télé, souvent d'ailleurs sur Viens on en parle, dont je vais vous donner les liens, et puis aussi du catch parfois, parce que je suis fan de la chose et des hommes et des femmes en slip. Voilà, plein de choses. N'hésite pas, si le cœur t'en dit évidemment, à follow sur la chaîne, tu seras au courant de tout ce qui arrive. Oui. Il faut dire coucou d'Oka parce qu'il y a eu une tornade. Non mais c'est parce que Mehdi il est sur les internets là, il est en train d'aller voir les news, il est occupé. Et pouette d'Oka. Merci aux copains effectivement, parce qu'il y a défilement de. J'ai pas encore l'habitude là, je commence de plus en plus, j'allais dire, vous êtes de plus en plus nombreux, donc voilà. Merci. Oh, regarde, merci. Il est vénère. Voilà. Ouais, vous pouvez pas être moins nombreux, ça. Je suis vénère d'avoir loupé. Ouais, c'est relou. Le mec, il est pas. Rentrez chez vous. Coucou à toi, Doka, et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. J'essaye de retrouver, comme dirait l'autre, c'est honteux. Voici, voilà. Et on va reprendre. Donc, c'est honteux. On va retrouver nous. Voilà. Hop, j'avais un doute, mais si vous voulez en savoir plus sur Viens, on en parle, c'est par ici que ça se passe dans le live. On va. Viens, on en parle. Depuis le confinement, on peut dire reviens, on en parle. Ça serait. Ouais. Faut venir, on en parle là. Faut venir là, il n'y a plus de gens dans les masques. Donc tu es dans des arbres. Qui sont pas très mobiles. Voilà, je refais le début du jeu. Il faut que je. Dans la partie Benevento. Alors, moi, du coup, il m'a dit viens, et je dois dire des trucs très méchants.
Enfin, non, c'est pas que je... Voilà, tu dois... Enfin, je dis ce que je pense, donc... Tu dois dégommer le jeu. Déjà, il va me spoiler le jeu alors que j'ai pas joué. Et putain, j'ai découvert ça au moment où il arrive. Il m'a dit, t'as fait 8, tu fais, bah non. J'étais persuadé, il me fait, non. Je fais, merde. Le truc tellement logique... Moi, je joue à des grands jeux, je joue à Watch Dogs, moi, je suis occupé. Non, non, il fait genre... il fait Zarma, mais en fait... Bah ouais. Ah, c'est ça, c'est des grands jeux. On va peut-être... est-ce qu'un de vous deux voulait resituer un petit peu là où nous en étions, en quelques mots, dans Resident Evil 8, où on a fait la connaissance du club, non pas des 5, mais du club des 4. Voilà. Voilà, c'est ça, c'est Corbier, Jackie, Ariane et le dernier boss, Pat Le Guen. Mais donc voilà, je vous laisse, ça m'évitera de dire des bêtises, et, à défaut de dire bonjour correctement aux gens. Voilà, voilà. Donc, peut-être l'un de vous deux qui se sente s'en charger, les amis. Ah, je laisse Wiper le faire. Allez. Même faire les résumés, et s'il y a besoin, on peut même enrichir à chaque fois avec les détails. On est complémentaires. Le temps que je retrouve mon chemin. Donc, en fait, la dernière fois, on a combattu donc le troisième pilier du village, donc Salvatore Moro, qui réside dans le lac artificiel en bas à gauche de la carte. Hop. Et du coup, on a battu Moro. En sortant, on a récupéré donc un des derniers morceaux de la clé pour qu'on ait enfin la clé complète pour accéder à la dernière zone en haut à droite. Mmh. Sachant que les deux précédentes étaient l'antre de Dimitrescu du début du jeu. Et Dona Beneviento. Voilà. Avec voilà. Sa poulette mangée. Ce qui a permis aussi de récupérer déjà trois morceaux de Rosemary sur les quatre. Alors, les gens vont se dire, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de Rosemary? Je ne suis pas venu ici pour prendre un cocktail, ni pour souffrir. Surtout. Voilà. En gros, non. Rosemary, c'est une histoire assez folle que je vais vous montrer dès que je retrouve les touches, parce que ça fait un moment que je n'ai pas joué. Alors, donc, normalement, c'est Triangle pour le... Y. Voilà. Mais qui est sur une manette PS4. Eh bien, il y a des clés un peu bizarres dans Resident Evil 8. Voilà, ce sont des bocaux à base de parties de corps de bébé. Voilà, tout va bien. Si Death Stranding vous avez mis en PLS, Resident Evil 8 en remet une couche. Donc, c'est voilà. Une bonne idée d'utiliser des morceaux de bébé pour ouvrir des trucs. Et pas n'importe quel bébé, mais quel bébé, me diras-tu? Le bébé de qui? Alors c'est le bébé en fait d'Ethan, notre héros, qui a été récupéré pour... Oh, je me suis fait spoiler. Je suis complètement spoiler. Pourquoi, voilà. On ne connaît pas les raisons. Quel acteur. On cherche Rosemary. Et d'un seul coup, on nous... donc le duc, qui est juste pas loin de Ethan, donc Lady, si tu veux le montrer même en même temps, pour que les gens le voient. Le duc, en gros, quand on arrive avec le premier morceau du bébé, il nous dit, bah c'est votre fille en fait dans le bocal. Regardez, c'est sa tête. Voilà, ça c'est le duc. Voilà, voici le duc. Voilà. Et lui, il sait tout. Il le sait vraiment tout ce qui se passe à n'importe quel moment. Qu'il soit loin de nous ou non, il sait ce qui se passe. Et... comme s'il était lié à l'environnement. Et très important, il a... Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Il a l'invincibilité. Il a l'invincibilité et puis surtout, il a du sifflard. Parce que je voulais zoomer. Ah, oui. Voilà. Voilà, c'est pas très halal, dis-moi. Hein. Ah non, non. Alors, et est-ce qu'il sait si Resident Evil 4 il va sortir en HD? La blague. Là, avec les infos qu'on a, le 4, il y a des chances, oui, qu'il arrive. Pas l'année prochaine, par contre, à ce que j'ai compris. Ah bon? Ah ben, on va jouer à quoi? Ah ben, ouais, mais on va faire quoi du coup? Eh ben, on jouera à Reverse. Ah, d'accord. Reverse portait à l'année prochaine. Et pour une fois, je m'en suis rappelé de celui-là. Je trouve que t'appuies beaucoup trop sur Start. C'est juste mon avis. Un peu trop. Non, parce que ça me stresse d'avoir utilisé la grenade pour rien. Perfectionniste normal. Voilà. le speedrunner dans l'âme. Et on va enfin continuer l'aventure parce que vous avez à peu près les bases, ce qu'il faut savoir. Comment il faut s'en sortir? Pas du tout. C'est pour ça que vous êtes là. Alors, oui, Heisenberg, ça va. Et là, Heisenberg a mis des petits panneaux en disant pareil. Ah, c'est vrai. C'est vrai. Ouais, c'est ça en fait. Quand tu sors de Moreau, donc on a eu l'appel d'Heisenberg qui nous dit d'aller dans la fort située en haut de la montagne. Et dans ce fort, il se trouve la dernière pièce des morceaux de la fille de Ethan. Voilà. Et du coup, on doit s'y résoudre. Thomas Gohan, hein, évidemment. Sachant que. Thomas Gohan, référence. Freddy, même, tu sais. Voilà. Sachant que l'épouse d'Ethan a attrapé le décès
au début de l'épisode. Oui, elle se fait, voilà. On voit, tué par un monsieur que tu connais, même si tu n'as pas fait Resident Evil 8. Chris Redfield. Exactly. Yeah, motherfucker, I've seen that in the trailer. It was so amazing. Donc voilà, on pourra voir. Tiens, je me demandais, Amir, est-ce que t'as eu l'occasion sur les projets au niveau animation de bosser sur tout ce qui est séquence de jeu en FPS, parce qu'on pourra parler de ce qu'on appelle dans le domaine de l'animation de la logique du shaky cam, que tu dois connaître même si t'as jamais bossé sur des... Quand tu cours là, tu parles. Ouais, de voilà, ça, c'est ça. Ouais, bah il faut que ça. Alors déjà, c'est pas la réalité parce que en vrai, ta tête elle bouge beaucoup plus que ça, mais ça serait insupportable. Donc vomito, vomito. Ah, ce serait Gerbotron. Bah, c'est comme regarder un mec qui joue à un jeu VR. Tu sais, sa tête est insupportable en fait. C'est... Déjà donc, que le motion sickness peut très vite venir. Donc il y a un petit shake cam de gentillet quoi. Tu vois, c'est en fait. Je crois qu'on peut. Je ne sais plus si dans celui-là c'est possible, mais je sais qu'il y a des jeux où tu peux régler la stabilité de la caméra pendant que tu cours. Oui. Pendant que tu cours, d'accord. Ça je savais pas. C'est pas très bien intégré. Non. Je dirais rien d'autre. Quoi, ça explose ça? Ouais, c'est de. Ça manque un peu d'ombre portée. Ça manque un peu de cohérence colorimétrique. C'est peut-être aussi parce qu'on est sur PS4 et pas sur PC. Ah, c'est chomo. Et peut-être. Je ne sais pas si... Et le méchant là. Et PS4. Pas gentil. Hein. PS4 en plus même pas pro quoi. C'est quoi les méchants dans le jeu? C'est pas des zombies, c'est quoi? Des licornes. Ouais, des licornes. On ne sait pas encore. Et donc ils sont arrivés là. Il y a pas besoin de leur tirer dans les plantes des pieds là, c'est ça? Non. Non, ah. C'est pas des hobbits. Ah. Non, parce que c'est lequel où c'est celui sur DS, là, 3DS où il y avait les plantes dans leurs pieds là, et je sais plus c'est lequel. Tu sais, fallait pas tirer dans la tête quoi. 3DS c'était le Revelations. Ouais. Celui-là non. C'était Revelation, après sur DS, t'avais Deadly Silence aussi, mais ça c'était le premier. Je pense que tu parles, ça doit être les plantes Eevee du 2 remake. Avec les bulbes bizarres. Ah ben oui, mais oui, putain, ah ouais, qu'est-ce qu'il est. Mais c'était sûr. Ouais, je mélange tout. Ok, donc tu te bats contre des loups-garous. Voilà, mais ouais. On ne sait pas encore comment ils en sont arrivés à ça. D'accord. Ils ont le principe loup-garou, mais on rappelle, hein, Resident Evil, alias Biohazard au Japon, ça traite de tout ce qui est danger biologique. Donc on est quand même sur des... tout est justifié médicalement parlant. Ouais, mais le mieux c'est quand même les zombies, on est d'accord. Hein, c'est mieux les zombies. reste c'est mes préférés. On va faire un vote dans le chat. Vous êtes plutôt zombie ou infecté? Après je dirais que le zombie. Allez, le zombie, je vais le lancer. Ça a aussi instauré le fait que Romero ait vraiment mis en place le zombie contre. Romero, il a popularisé globalement le genre zombie via ses films, notamment chez nous en Europe. C'est sa mythologie. Parce qu'à l'époque, il existait quelques bouquins, je pense, mythologiques qui parlaient de zombies. T'as des affaires qui remontent sur des cas de zombies, de choses comme ça, genre de personnes qui seraient décédées, qui sont revenues à la vie. Généralement, qui étaient des erreurs médicales ou des miracles des années, etc. C'est vrai que c'est depuis qu'il y a eu les vrais films, notamment le premier film connu de... Genre, 1978, je crois, la date. Je crois. De La Nuit des Morts Vivants. Et avant qu'il ait un remake en couleur un peu plus tard. Mais globalement, c'est ce premier film. Ensuite, avec Zombie Dawn of the Dead, qui a popularisé beaucoup plus le genre. Puis après, 20 jours plus tard, tous ces films-là. C'est vrai que Zombie a été vraiment celui qui a été le plus populaire de la trilogie. Le plus populaire, ouais. Et même avant, il y a eu des films de zombies, mais en réalité, les zombies, avant Romero, c'était du genre des créatures non vivantes. Donc ouais, le zombie était déjà là, mais servait pas à, dans la mythologie du dévoreur de chair humaine ambulante. C'était vraiment des créatures qui étaient dirigées par quelqu'un et qui devaient faire un petit peu l'esclave mort-vivant. Quoi. Bah, on était sur des inspirations très zombies vaudou haïtiens, avec notamment cette phrase qu'on a, si je ne dis pas de bêtises, dans le zombie de Romero, donc le fameux dans le centre commercial qui a inspiré beaucoup de choses, dont, pour rester chez Capcom, Dead Rising, on était sur Capcom qui a d'ailleurs gagné son procès face à
César Romero qui avait intenté un procès pour plagiat et à l'époque et c'est un peu moins classe que l'anecdote d'Amir tout à l'heure sur Virtua Fighter et Dragon Ball mais c'est toujours ça de prix et en gros la première phrase c'était quand il n'y aura plus assez de place dans le monde des morts dans le monde des vivants quand il n'y a plus de place en enfer, les morts reviennent sur terre. Oh, c'est beau, ils nous l'ont fait en stéréo, quoi. On vous laisse les clés de la maison, hein, on va... Il y a un mec qui te tire dessus. Excuse-moi. Oui, je crois qu'il y en a un, il t'a pris pour une viande à kebab. C'est ça. Il a le code des flèches illimitées, lui. Hein. C'est ça. Si je vais... Overload. Oh, t'as tiré sur son... Elle a changé, Lara Croft. Hein. Tu vois là, si tu me montres ça sans me dire que c'est Resident Evil, je peux pas savoir. Bah, c'est toute une discussion qu'on a eue et beaucoup d'autres avant nous, notamment sur depuis le 7 en fait, où il y a cette problématique là, même s'ils sont en train de renouer doucement avec la tradition de la série. Qu'est-ce que je voulais dire? Comment est-ce qu'on utilise le couteau déjà, mes chers amis? C'est là dans l'inventaire, ouais, voilà. Ah, il faut le mettre, il faut l'équiper? Quand tu as des caisses, tu as juste appuyé sur croix et tu as le couteau qui sortit automatiquement. Ouais, mais si tu n'as pas besoin de t'équiper du couteau, taper dedans. Regarde. Ah, mais voilà. je découvre ça. Combien d'heures de jeu là? C'est quelque chose qui est. Pas loin d'une dizaine, douzaine. Même pas dans le 7, si je me trompe pas. Dans le 7, il avait même pas. Dans le 7, c'est manuel. Non, c'était manuel. Mais c'est mal foutu niveau. Pour repérer qu'on a cette action contextuelle. Tu m'as l'air perdu. Ouais. Ouais. Non, je fouille. Je suis team fouille, moi. Toi, t'es. Voir voilà, par contre, fais gaffe, c'est pas pour te presser. Ou ça m'a l'air d'être une arène. Mais il y a des zones, là on arrive sur des zones où les ennemis te viennent en boucle et tu ne peux pas éliminer toute la horde parce qu'ils viennent à l'infini. D'accord, bon. Il y a des zones où c'est plus, t'es mieux à courir et à trouver le chemin plutôt que de battre. Que d'y aller en mode détente. Voilà, faut pas oublier, c'est que heureux aussi, les bases, c'est la gestion de munitions et donc économiser et plutôt optimiser l'esquive et la fuite plutôt que le combat. C'est le but, ouais. c'est la fuite. Là, en fait, ils ont quatre. Je le rappelle toujours parce que ça a été imposé par Capcom et retrouvable sur 96 notamment. Mais c'est les quatre piliers qui est la peur, le combat, la recherche et la gestion des objets. Et c'est d'accord. Définition de ce qu'ils appellent le genre sur T'as le tétanos là déjà. j'ai beau être matinal. J'ai mal. Puis ouais, c'est bien de même si on se le répète à chaque fois, les 4C, faut souvent le redire pour pas oublier. Et puis comme ça, les gens comprennent mieux pourquoi aussi l'appellation du Cerebro. Pourquoi on l'emploie un peu partout. Tu vas pas décéder quand même. Non. La construction. Je suis un professionnel. Sur un jeu de rôle. Et que s'il répond à ces quatre critères, l'industrie va considérer que t'as un survival horror. Les 4C à ne pas confondre avec les 3C en game design dont on vous avait déjà parlé, caméra, contrôle et C pour characters, donc le personnage. Oui, Amir. Non, je te sens interloqué. Néo, j'ai envie de te dire, pour Silent Hill ou Alone in the Dark, je te dirais Alone in the Dark rien que parce que c'est le père fondateur des mécaniques que l'on a dans le RE et dans Silent Hill. Alors, si on avait Alors c'est débattable. Du survival horror moderne, on va dire. Voilà, oui. Précision... On va dire qu'en fait, c'est Frédéric Reyna, il a repris le côté mécanique pur avec la caméra, le côté technique, mais c'est Sweet Home, l'original jeu Famicom NES, qui lui a ramené l'inspiration et les idées qui font le fondement de 96. L'idée du manoir, l'idée du chargement de la porte, l'idée du piège, l'idée où on gère une équipe, parce que dans Sweet Home, on gère une équipe, et cette équipe, c'est une idée qui a été reprise en coop pour le zéro, mais qui pas a content, là. Une version coop prévu pour le premier 96, sauf que quand on parle de 96, on a une bêta qui dit de la coopération jouable à deux. Non, c'est de la coopération qu'ils appellent IA, où en fait à la base il devait avoir avec le scénario de Chris, on avait dit qu'il suivait, mais c'était une IA, c'était pas deux joueurs qui jouent sur le même écran. Situation grave. Pardon, il y a des trucs super sérieux, mais forcément, je savais qu'en invitant Amir, ça allait être difficile. Tiens, danger. Après, RE et Silent Hill, on peut dire qu'ils ont repris et amélioré. Surtout Silent Hill, et pas Tite Bell, hein. Encore plus avec les travelling des caméras. Le travelling, la 3D, c'est le premier à avoir ramené quand même même.
un grand, je trouve, espace de un peu semi-open world d'horreur, quoi. Où c'était le premier, on avait cette espèce d'exploration libre dans une ville. Est-ce qu'on peut dire que R.E. a travaillé l'horreur, on va dire, visuelle et claustrophobique, et Silent Hill, la peur viscérale Bah, c'est sûr que Silent Hill, c'est le côté, comme tu dis, plutôt psychologique, clairement. Mm. Là où Resident Evil, c'est plus de la peur sur les phobies. On parle de la claustrophobie du manoir, on parle des peurs d'insectes, notamment les araignées, qui a marqué énormément de joueurs, on parle du chien, la scène... Mm. Mais t'es sérieux? La peur un peu de... Hépatite C maintenant. On n'a pas de parents qui, quand on est petit, nous dit fais attention au chien, etc. Et du coup, dans l'enfance, on a l'image du chien un peu agressif. Pas pour rien que c'est le Doberman qui a été choisi. Doberman qui était à l'époque dans une catégorie de chien dangereux. Et du coup, c'est ce qui a popularisé un peu cet animal dans la série. Et après, voilà, on retrouve les thunes, les requins, la peur aquatique avec les... le côté haut dans la résidence secondaire du manoir, etc. Donc c'est tout ça, effectivement, comme idée d'exploitation de peur. Et c'est comme ça aussi qu'elle a été recrutée. Ils sont plus derrière toi, les mecs, là ? Non. Non, pas vraiment. Tuko Fujiwara, il expliquait que quand il a recruté en tant que réalisateur Mikami, qui était un jeune diplômé de Capcom, qui était un des nouveaux, sa première question avant de savoir s'il va avoir le poste réalisateur, c'est: est-ce que tu as peur ? Est-ce que tu as peur, dans la vie, qu'est-ce que tu as peur? Genre là, tout de suite, là Il lui a pas dit. Parce qu'on est au resto, là, donc. Est-ce que tu... Non, au contraire. Je n'aime pas, et du coup, il a demandé qu'est-ce qui te fait peur. Donc lui, il a expliqué, moi, j'ai peur des lieux un peu clos, des araignées. Il m'a dit, et c'est là qu'il a dit, c'est parfait, tu vas me faire un jeu. T'es embauché, là. Jamais vu une lavette comme toi, là. Parce que dans l'idée de Fujiwara, c'est qu'il disait on ne peut pas faire un jeu qui fait peur si soi-même on n'a pas la peur, en fait. Tu ne peux pas donner un projet à une équipe qui n'a pas peur. C'est vrai. Il faut ressentir les choses. Non, ça doit faire peur de faire un jeu qui fait peur. Ouais, c'est mieux. Tu me dis tous les jours il faut que j'aille au boulot et j'ai la trouille, je te dis non. C'est vrai que quand tu fais un jeu comme ça, il faut se dire que toi aussi tu fais partie du public ciblé, dans un sens. Le fait de... Il faut mettre des ambiances qui te mettent mal à l'aise, qui peuvent t'effrayer. Tu ne l'es pas, c'est-à-dire que personne ne le sera. Tiens, les mycoses, maintenant. Et ce qui est intéressant, alors moi, j'avais appris ça récemment via les autres confrères spécialistes des CPRE, mais apparemment, le premier de 96, en termes de game design, c'est un des jeux qui est le plus étudié quand on fait des... Alors, à confirmer, mais dis-toi qui est plus expérimenté. Duquel tu parles, excuse-moi ? Le premier. Le 96. Là. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Il y a Bernard Perron, qui est un spécialiste du survival horror, qui est un chercheur à l'université de Montréal, qui du coup a travaillé là-dessus. Et il a aussi travaillé sur Silent Hill, avec un livre qu'il a écrit qui s'appelle « Le moteur de l'horreur ». Mais oui, le premier Resident Evil de époque PS1 et Saturn est largement un des plus étudiés. Ouais. C'était pour confirmation. Complètement. Et là, ouais, je pense avec David, on préfère te dire. Tout court là, tout droit. Vraiment... Ouais, ça se. Pauvre fou. Ça, ça pique pas ça. Compris dans la forteresse où on est, hein, donc c'est le refuge des Nicans. C'est là où. Ok. Y a papa là. Les Nicans. Ouf. Voilà. Tu fais bien de faire comme ça, ouais. Voilà. Oh là là, le move de professionnel, Mehdi, vraiment. il leur a fait. C'est quoi? Il a fait Call of. La morsure du soleil, là, c'est ça? Dans c'est ça, ouais, c'est Tenchinan. Les rêves dégueulasses. Il va réussir à broder sur Dragon Ball pendant tout le live. Ah, bah, je suis là pour ça. Et je vous ai raconté que. Non, j'arrête. Ah mais nous on aime bien, donc n'hésite pas. Ah bah clairement. Il a tué une figurine. Ouais. C'est tout ce qu'il a dit. Exactement, c'est vrai que Neo... Elle était là et pouf. Moins, mais forcément, ouais, Dino Crisis aussi, premier en jeu d'horreur, et Onimusha. Onimusha, je valide ça, c'est alors, bon ça. Alors, Onimusha, je serais tout petit peu plus nuancé, je vous recommanderais plutôt le Dawn of Dream, qui est le dernier en date d'ailleurs. Ouais. Qui est vraiment le plus... Bon attends, le premier, enfin...
il a pris dans la gueule. Hein. Quand mais tu non, le relances. Justement, il est à l'ancienne comme le premier. Comme Resident Evil. Et le premier qui, à l'origine, était un héros, qui, au final, a été détourné, qui s'est transformé en Onimusha comme Devil May Cry. Était un héros 4 et c'est qui ça. S'est transformé en Devil May Cry. Beaucoup de détournements dans le domaine du survival horror. Eh, c'est bien cet endroit. Et c'est comme on dit à chaque fois avec David. Chez Capcom, on ne jette jamais, on recycle. Bon là, on arrive au problème de base, c'est qu'on ne sait pas lire, donc bah passe. Hein. Vous remarquerez quand même que Raiden est infidèle, hein, vu qu'il a vu que j'ai, il a dû être surpris que je n'ai rien, je n'ai cassé aucun vase. Oui. Vous êtes pensé à Guillaume. Corlys des géants, ouais. Il y a dans les environs quelque chose. Ouais. Viennent ceux qui sont à l'origine et que leur est-il arrivé? Eh bien, vous le saurez au prochain épisode. Hop. Toi, t'es le genre de mec qui fait plein de sauvegardes, toi. Toujours. Oh là là. Bah, en réalité, il y a deux raisons. C'est je le fais de base, mais c'est surtout parce qu'on est sur un stream et ça permet, si t'as un souci, une sauvegarde corrompue ou un truc machin, de pouvoir reprendre ta partie. Et voilà. C'est tellement je pas ne suis moi. Pas professionnel que manette en main, mais aussi pour dans, toi public. Aussi dans la vie, tous les jours. Quand je me lave, il se lave comme un professionnel. Bonne chance. Voilà. Je vais te retrouver et je vais te tuer. c'est parti pour un combat de boss du coup. Voilà, donc, un gros monsieur. Le gros monsieur, donc Ouria. Mais tu cherches tes deux doigts qui manquent là? C'est quoi l'objectif? Je les ai perdus. Ah, bonjour. Oh comme putain, mais je l'ai vu lui. Mais je l'ai déjà fait. Je l'ai déjà fait lui. Y'a le gros monsieur d'abord. Ouais. Bah attends, mais lui il est pas dans Seigneur des Anneaux ou Harry Potter là? Non. Je l'ai déjà fait en plus lui. Je sais pas. Ouais, on l'a fait dans le cimetière. Ah, oh, je crois qu'il veut. Ah, oh, il veut faire du bricolage sur toi là. Tu es un gros clou. Ouais, je pense qu'il arrive pas à comprendre que t'es un être humain là. Je crois que c'est la tignasse et tout. Ouais. Ça bloque la vue. Putain. Lui, c'est relou. Lance-grenade. Enfin, bref. C'est pas le gros lance-grenade comme Schwarzenegger. Ah, je. Ah Oh, oui, t'as raté. Ah, il louche, il a des problèmes. Ah, ça c'est. Ça arrive, hein. Ah, tu en es déjà à la deuxième phase. Mais dis, il a dit que tu jouais bien. Il a vraiment dans la direction. Dans la direction artistique, il a un côté vraiment très Dark Souls dans le rythme et tout aussi. Ouais. Il y a une image de concept art qui fait vraiment ambiance Bloodborne. Oui, encore plus Bloodborne, c'est vrai. Ouais, c'est vrai que ça ressemble beaucoup à. C'est limite le grand. C'est le grand frère du père Gascoigne. C'est ça, qui a pris beaucoup trop d'hormones. Mais c'est quoi. Ça, c'est exactement ça, exactement, il a la même barbe et tout là. Père Gascoigne, que je trouve est un des boss les plus marquants de Bloodborne. Ouais, bah vous avez pas pu pas. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il allait prendre un pilier, je crois. Ah, il allait arracher le pilier, je crois. Ah, ça y est, il veut compenser. Ouf. Il refait la déco là. Danse la vie. Intéressant. C'est la première fois que je vois cette attaque. Ah. Ouais, la toupie en mode. Tenshinhan ? Ça autant quand il prend le pilier, ok. Ah, tu n'as plus de munitions. Merde. Putain, j'ai toujours. Je suis à sec de. Va falloir fouiller la zone. Mais non, tu le snipes dans la teuté et puis c'est réglé. Grave. Après, si ah, la babar, fais gaffe. Ouh, il était frontal celui-là. Ouh là là, dans le nez. Vas-y, la joue droite. Enlève-lui la dent de sagesse là. Ah, mercredi. Qu'est-ce que c'est que ça? Que j'étais pas tout seul. Je crois qu'il y a quelqu'un qui te caresse derrière. You are not alone. Comme dirait Michael Jackson. Ah. Et c'était pas rassurant non plus. Il a ramené ses cousins là. Putain, y a les cousins du terre-terre. Pour le You are not alone. Oh punaise, il est déjà. Ah, il est rapide. Ah, et là, je sais pas ce que tu lui as piqué son goûter. Je suis pas content. Ouais, non mais si tu lui piques son Oreo Pokémon, c'est... Putain, t'as un revolver de Far West, utilise ça. C'est les armes les plus puissantes. Ouais, mais bon, les balles sont rares. Ben ouais, mais bon... Ça, il le conserve pour les boss finales, tu sais, il a raison. À moins qu'il... Je sais plus si la première run, tu as le plan des munitions de Magnum par la suite. Non celle-là, elle était belle, hein. Celle-là, elle était belle. Mais il faut pas jouer à la souris à ce jeu, non. Tu penses pas? Ça va être chaud. Enfin, si je le colle, ça va bien se passer. Ouais.
je crois qu'il a du mal avec les distances. Comment tu connais les qu'il faut jouer comme ça contre lui, toi? Je déduis. L'expérience de gamer. Ouais, t'as un mec avec un rocher géant et tu te dis, tiens, si je me mets en dessous de lui, peut-être que... Bah, c'est ça. Il est incroyable, celui-ci. Il y a un mec qui arrive à ta gauche, là, qui est en train de te faire des calinous, là. Ça me saoule de gâcher. Voilà. Oh, bah, tu t'es payé. Headshot. Ah, je crois qu'il est bugué. Ah oh, bah, ça y est, tu l'as vexé, il sait plus quoi faire. Je suis perdu, là. C'est la première fois. C'est à droite ou c'est à gauche? Voilà. Vous m'aviez dit que vous mettiez 18 à ce jeu, on est d'accord. C'est la toute première fois qu'on voit ça. Bah, je crois que j'ai jamais joué. Ouais. Vas-y, profites-en. Bah, je bosse dans les... Je bosse dans les équipes de playtesters. Non mais tu vois, là, il y a un choix à faire, mon ami. Soit tu le débugues, soit t'en profites. Toi, tu peux partir, ouais. Si tu changes, il va débugger, tu le sais très bien. Eh bah, je crois pas. Bon bah, j'y vais, mec, hein, je te laisse. Comment tu sais qu'il est pas descendu, là? Bah, ça s'entend. Bah non, ça s'entend pas, j'ai pas le son du jeu, moi. Hein? Merde, j'étais sûr qu'il allait me dire. T'as pas le choix de le tuer. T'as pas le choix. Ouais, j'imagine. Mais autant... Attends, fais voir, il est toujours en train de... Oh non, porte le vent. Mais... Ouais, non, c'est pas possible. Il cherche toujours sa direction, là. C'est le gardien. Attends, moi, c'est unique. On a un bug. Ah ouais, on a un bug. Ah, ça y est, c'est débloqué. Tu l'as vexé, hein. Ah, tu l'as vraiment vexé. Il a pas aimé. Tu es là. Ouf. Ça a une incidence, les headshots, sur lui? Oui, ça lui fait plus de... Ça lui redonne de la vie. C'est quoi ces questions? On sait jamais. Je sais pas pourquoi, quand il s'est jeté sur toi en sautant, je l'ai imaginé hurler Wakanda Forever. Tu sous-entendrais qu'il est un petit peu Renoir. J'ai un peu dilapidé quand même, mais merci. Va chier, il a écrit. Moi j'ai vu que ça. Pourquoi il écrit ça? Pour commencer le combat parce qu'il y a eu un bug. Ouais, je pense, ouais, il y a triche. Vas-y, t'as plusieurs sauvegardes là. Il est très méticuleux. Hein. Les vrais gamers le font au couteau. Hein, ouais. Je dis ça, je dis rien. Hein. Et genre, évidemment, la porte s'est nonchalamment ouverte, pile poil à ce moment. Exactement. Parce qu'en fait, il y avait une petite ticelle qui était reliée au pied. Du coup, quand il meurt, hop, ça tire, la porte s'ouvre. C'est un poil de fesse. Alors, est-ce qu'il y a des trucs que toi, t'aurais... Pourquoi tu reviens? Pourquoi tu reviens? C'est jamais. J'ai peut-être oublié un truc derrière moi. C'est long, c'est long. C'est trop long. Amir, il veut voir la fin. Mais ouais, moi je... Il est où Chris Redfield là? On l'a vu déjà. Je l'ai vu. Je sais qu'il a fait, mais je dirais rien. J'ai vu, j'ai tiré. Est-ce qu'il se transforme en loup-garou là? La première fois qu'on le croise en plus, c'est chez Moreau. Et ce qui se passe, c'est que. Il était en train de prendre un verre. Il nous donne absolument aucune info sur pourquoi il est là, pourquoi il a fait ce qu'il a fait. Et évidemment, Moreau s'est ramené lui et ses grosses fesses et a carrément cassé le dialogue. Alors, petite séquence. Hein, donc, pourquoi tu prends pas ça là? Parce que j'attendais que Murder termine pour pouvoir déclencher. Ah, Murder termine alors. Des JPEG. Image de ma vie, Miranda. Miranda, elle s'appelle? Attends, on va laisser le son du jeu. C'est en anglais? Faut le mettre en japonais. Tu vas t'entendre avec quelqu'un. Oui. Ce bête est mort. Madaraita. Omae wa mou shinderu. Nani? Ça, c'est une mitraillette, ça? C'est non, une... Non, c'est le shotgun. Ah, ok. Ouais. Le shotgun. Et évidemment. C'est le gros peupon. La grille s'est ouverte. Ah, encore un petit truc de texture dégueulasse. Où ça? Je m'abuse. Là. Ah, c'est la PS4. Hein. Le clipping est là. Ah, je sais pas si c'est. Ah, c'est les. Ah, non, c'est le loading model. Un jour, j'essaierai d'avoir la version PC pour faire un petit comparatif. Ça, le... Je le vois. Au portin. Même s'il y a des jeux, j'ai remarqué que ça soit console ou PC, parfois l'anti-aliasing sur PC ne fait pas beaucoup son taf, finalement. C'est normal, les mecs, ils ont pas envie de se faire chier à faire une nouvelle version. Parce que sur PC, par exemple, le Batman Arkham Knight,
J'ai mis l'anti-aliasing à fond, j'ai l'impression qu'il est aussi aliasé que la version PS4. Le petit bateau. Parce que ça leur demande beaucoup de travail et ça les intéresse pas de travailler. C'est Warner. Parole d'insider. Pourquoi on va travailler pour gagner pas d'argent? Tout le monde va, de toute façon, tout le monde va pirater notre jeu. Putain, le bateau, mon gars, il est mobile, hein. Non, mais c'est moi qui ai... Ah, oulala, mais c'est... Oui, c'est un tank contrôle. C'est un tank, en fait. Ouais. Tu l'as pas parce que t'as pas le son, mais il y a le bruit de clignotant, en fait, quand t'arrives. Ah, bip, bip. Vas-y, ferme la voiture, là. J'allais sortir la réplique vulgaire de Cyberpunk d'une voiture automatique. Par rapport au tut-tut. Ah, je l'ai pas, celle-là. En fait, on m'a expliqué, c'est que dans le jeu, il y a une voiture qui s'amuse à se pointer en mode bourrin. Et d'un seul coup, t'entends un tut-tut, fils de pute. Mais, quoi ? C'est poétique. Pourquoi ? Tu t'es déjà fait tuer par ta voiture ou pas ? Ça, c'est pas mal. Quand tu l'appelles, tu peux te faire rouler dessus, c'est quand même un grand plaisir. Ah, je croyais que t'étais en train de dire une connerie, genre dans la vie de tous les jours. Ça m'arrive de dire des trucs intelligents. T'es déjà fait tuer par ta voiture ? Non, dans Cyberpunk, je parle. Cyberpunk, bah déjà, dans les GTA, quand tu faisais apparaître une voiture et que parfois elle te tombait sur la tête, tu fais, à quel moment ? Une voiture qui apparaît, c'est réaliste, mais sur ma tête, non ? Voilà. Ouais. Je suis quand même le héros, merde. Tu savais qu'il fallait aller à l'échelle d'abord, quand même. Hein. Vous imaginez, c'est comme si... Ethan, il y avait un monstre qui lui tombait sur la tête. Et pourquoi pas ? Wait. Puis à la fin, tu fais « Oh, wait ». Comme si Ethan avait sa fille qui se fait enlever. À quoi ? Est-ce qu'il y a un endroit où il y a un moment où on peut voir la tête d'Ethan dans n'importe quoi ? Non, jamais. Pas que je sache. Il y a eu finalement des modèles, des concept art et tout, qui ont été cachés. Finalement sortis, même pas, les développeurs les ont sortis en montrant le véritable visage d'Ethan. Sur le site officiel de Village, et d'ailleurs il y a des suspicions que les concept art sont encore une fois inspirés du premier Survivor de Ark Thompson, le personnage principal. Parce que dans l'apparence du costume, ça ressemble beaucoup à... Et là on apprend qu'Ethan en réalité il a changé d'identité et c'est lui. Ça c'est Ark Thompson qui a changé d'identité. Ah, oh, ça serait violent là. Non, franchement c'est une théorie, j'adore. Ah, Evangelion, bien sûr que c'est excellent, pourquoi on parle d'Evangelion? Evangelion, c'est... Petite référence au chat évidemment. Je n'ai pas les trucs près de moi, mais j'ai quasiment toutes les pop, il m'en reste qu'une à avoir. J'ai deux figurines d'Asuka, j'ai les mangas, voilà. T'as vu tous les films, là ? Ouais. Non, j'ai pas Amazon Prime, donc j'attends en fait de voir s'ils vont faire un coffret avec films. Je t'ai proposé, fais pas loin loin. Ouais, ouais, voilà. Non, mais... De ce que je me souviens et de ce que j'ai revu, il y a un personnage, je crois que je vais avoir beaucoup de mal à avoir de l'affect pour elle, c'est vraiment Marie. De Jésus ? Un peu. mais sans Joseph. Ah mais c'est les nouveaux que je connais pas, c'est pour ça. C'est la nouvelle, la nouvelle Children qu'il y a dans les films, et je suis pas trop fan, je trouve que c'est un peu... Alors, trop une nouvelle, pas sens. Vraiment, hein, elle est là depuis un moment. Non mais je veux dire nouvelle dans le sens que si tu regardes pas la série mais que tu vois... Enfin non, si t'as regardé la série et que tu vois les films, tu dis ah oui elle est nouvelle par rapport à la série quoi, c'est pas... Mais ça c'est pas délicat ça. Non. Ça là, c'est... C'est des ghouls on va dire, je pense qu'on peut les appeler comme ça. Hein. Non mais j'en ai croisé sur la ligne 13, je crois qu'il y en a. J'en ai vu un ou deux. Ouais. Blague très référencée de Parisien, si vous ne l'avez pas. Excusez-moi, j'ai faim. Voilà, ça commence comme ça en général. Faites un petit peu comme certaines zones un peu précaires, on va dire, malheureusement, la cour des miracles, comme on peut dire, trivialement. Voir aussi, en l'occurrence, Gare du Nord, Gare de l'Est. Mmh. Ouais, c'est un petit peu Gare du Nord, hein, le village. Clipez ça et on va avoir un raid chez nous, ça va être... Et pas le raid auquel on pense. Ouais, non. C'est plutôt la bombe insecticide, là. C'est plutôt... Ouais, voilà, c'est plutôt ça. Donc t'es allé nettoyer le truc pour rien, là, il s'est rien passé. Bah, j'ai l'impression, ouais. Il y avait un document en fait. Ouais, tu as des documents dans des zones comme ça qui sont très intéressants. Tu parlais de Alcina Dimitres.
Putain, la photo de famille. Eh oui, ben voilà. Ça, ça c'est sa femme, ça. Voilà. Ça, c'est la femme à midi. Putain, il y avait un reflet, mon gars, un reflet de... Un reflet. Un reflet du futur, hein. Un reflet. Ok. Donc, tout le monde est designé sauf lui, c'est ça? Voilà. Bah, c'est-à-dire, donc, de reflet. Est-ce qu'on peut pas se baser en anthropologue, te dire, ah, non, mais, si tu vois le gosse, normalement, tu peux revoir à peu près le père, hein. Hein. Donc, si il est blond, le gosse, on est d'accord? Il a l'air. Donc, la maman elle est pas blonde. Hein, il y a un peu de blond. A priori, il est blond. Ça veut rien dire, hein, t'as des mômes qui ont les cheveux blonds étant gosse et qui après redeviennent bruns. Je peux témoigner. J'étais blond comme les blés étant toi, petit. Toi, t'étais blond, toi? C'est ça. Je t'assure. Genre, tu veux dire que mes parents, ils mentent, quoi. Ouais. Bah ouais, ils t'ont adopté. T'imagines le gros truc malaise. Ils te teignaient les cheveux, quoi, en plus. Ouais, c'est ça. Vraiment dur. Ils voulaient que j'intègre un groupe de K-pop. Mais c'est quoi, c'est Sega Bash Fishing là? Je comprends pas. Ouais, ça a viré. Mais vu que BTS ça existe déjà, ils voulaient te mettre chez BEP. Ouais. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que. Salut Rico! Salut Rico! Je fais tout de suite moi. Je te présente Amir, que tu as peut-être déjà vu sur les viens, on en parle. qui vit sa meilleure vie. Jamais dû m'inviter le mec, hein, je sais pas pourquoi. Mais si. Non mais n'hésite pas à nous dire si tu vois des trucs. C'est des vrais mecs ça. Peut-être. C'est bien, bonne idée. Je sais pas. Faut toucher. Attends, C'est moins cher de mettre un vrai mec. On entend quelque chose qui se balade, je crois, dans le champ. Ah, je fais la rencontre du chat. Vous deux, vous avez le son du jeu, c'est pas juste. Mais lui, oula, t'as pas peur. T'as vraiment pas peur. Ah, le petit. Petit bonhomme en mousse, ouais. Ah, bah là, tu es le petit bonhomme en mousse, hein, je te précise. Oh là là! Mais ça, c'est du bon travail de texturing. Ah oui, c'est vrai qu'on peut pas arriver par là. Bon, tant pis. Nous avons Mehdi Snake. Mehdi Serpent, hein, faut pas le traduire comme ça. Ou alors, Mehdi pas qu'il y a un mur invisible. Non, non. Voilà. Oula, oula. Olé! Tan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 
Parce que tu peux demander, oui. Tu peux demander à tes compadres, là, ils connaissent la map par cœur. Tout à fait. Donc là, tu ailles dans une direction. qui n'est pas la bonne. Je crois qu'ils veulent que tu meurs bientôt. Je te dis que t'as tous les bocaux. Ouais. Oui, non, t'inquiète, j'avais percuté. Tu vas reconstruire ton bébé? On va voir. Ah là, tu vas jouer Peppa Pig. Oh, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. On est deux hein, à s'être fait spoiler à ce compte-là. Hein. Non, mais ça va, je me suis pas trop fait spoiler jusqu'à présent. Hein. Sauf ce soir, quoi. Ouais, ce soir. Ouais, c'est... C'est festival. Hein. Total. Ah oui, là, non, c'est mais, total. Non, mais j'ai vu beaucoup de méchants qui sautent, qui couraient partout. C'est vrai. Dimitrescu. Mais tu l'as tué, la meuf, là? Oui. C'est la première que tu affrontes. C'est la première, ouais. Attends, on te fait tout le jeu autour d'elle et en fait elle meurt dès le début. Ouais. Bah, c'est. Ça serait pas une communication à la Kojima. Oh. Comment ça, Dai? Je pense que. Enfin, on s'est beaucoup dit sur les précédents streams, c'est que Dimitrescu a eu un succès malgré elle, parce qu'au final. C'est pas prévu, je pense. Ils avaient pas genre. Mis en avant, ouais, genre. Ouais, je suis assez genre, d'accord attends, avec elle. Dans les trailers, on voit que elle. Et le Heisenberg, en fait, on se dit Heisenberg, ça va être le premier boss, il meurt direct. Voilà ce qu'on se dit. Je pense qu'ils voulaient peut-être mettre plus en avant Heisenberg tout en mettant Dimitrescu dans le genre fanservice du trailer. Parce qu'à un moment dans le trailer, j'ai l'impression qu'elle te reproche d'avoir tué Heisenberg ou je sais pas quoi. Donc, je pensais que c'était dans l'autre sens, mais j'ai rien compris. C'est bien. Tu peux acheter le flingue de Metal Gear? Metal Gear? Merde, il y a le SOCOM là, non? C'est pas ça? La carte panne. J'adore ce flingue là, 45 000. C'est le premier. C'est le premier que t'as dans le jeu. Ouais. Mais alors pourquoi c'est il doit l'acheter là? Il peut le racheter s'il le peut, ouais. S'il le veut. Vu qu'il l'a revendu, c'est pour ça. T'as revendu le pistolet? Et vu que en plus. J'en ai eu un plus mieux. T'as vraiment pas de goût. T'es dégueulasse. C'est dégueulasse. Alors, objet de valeur. Ça, on peut y aller. Grande valeur. Ok. Ça aussi. Pareil. Ouais. Non, ça non. Regarde. Le crochet, tu peux, le remède aussi. Vends tout. Tu fais tout avec les points. Oh, c'est bon. Et tu peux farmer dans ce jeu? Oui. Tu peux farmer de la nourriture, tu peux farmer des armes. Donc il n'y a pas genre nombre de balles limité quoi. Non. Ok. Tu joues à Resident Evil là? Ouais, ah, il semblerait, hein, je crois. Non, j'ai cru que depuis le 4, on a ça. Hein. Tu sais, mon cerveau essaye d'oublier. Alors là, on est passé dans la cuisine, là. C'est n'importe quoi. Là. C'est Cooking Mama. Oh. Ok. J'en ai pas assez. Non, tu n'as plus rien. Alors, je vais vous prendre une sarmale de peste, s'il vous plaît, avec en entrée. Ouais, là. Si c'est possible. Parmigiano, s'il vous plaît. Y a plus rien à acheter, là. Mais pourquoi tu veux acheter? Bah, est-ce que c'est utile? Bon, on va. On va farmer. Par contre, ça ressemble quand même beaucoup à. Vous l'avez dit, hein, mais. J'ai oublié le nom. Le jeu dont on parlait tout à l'heure. Resident Evil 4? Non, comment il s'appelle? Le jeu qui est. Non, Dark Souls 3. Ah, ok. Ça ressemble beaucoup à Dark Souls 3. Bloodborne surtout. Attention, allez. Moment solennel. On va faire un peu silence. Mais tu connais ce jeu donc? Non, mais je me doute que c'était ça qu'il fallait faire. Ah, il se doute? Ah oui, un bocal. Le retour des JPEG. Donc là, comme ça, vous pouvez découvrir d'un coup la famille au complet. C'est que ça. Ouais, avant que je commence à les. Les souvenirs. À les exterminer. Voilà. Et les souvenirs de qui? Attention. Regardez bien les images. Regardez bien les JPEG. Les codés. Bah, il n'y a plus de JPEG là. C'est, je crois, tous les deux bocaux. Ah. Un truc comme ça. Ah, ils sont intelligents. Hein. Je crois qu'il n'y en a qu'une. Vas-y, loading là. Non, t'en as une quand tu mets le quatrième. Si je me trompe pas. T'as dit tous les deux beaucoup. Ouais, tu t'es trompé. Hein. Y a pas de. Ah bah, hey. Il détend sur moi. Bon, les. Hein. Hey, s'il y a pas un JPEG, je quitte la pièce. Hein. Attention, hein, sinon je spoil. Moi, je vais à PNG.
Ne, moi, je veux un point, je veux un point MP4, hein, je vous préviens tout de suite. Hein. Callis des géants. Moi, je veux un point MOV. Ouais, tu, ah, moi, je veux un export. Une cinématique. Le feu. Juste une cinématique de feu, oui. Ah, j'ai pas précisé de quoi. Hein. Ah, mais c'est... Vous allez voir, il y a un truc. C'est le combat final, là, c'est ça? Ah, je sais non, pas. Moi, non, moi non. C'est la lutte finale, tous les jours, mais... Non, bah, là, je, là, après, je crois que dans le registre de Je m'en balais, qu'il est pas mal. Hein, ouais, mais... ouais. Il se pose là. C'est go. Ouais, t'as mis tous les bocaux, c'est trop bien, ouais. Ah oui, regarde, il mange son. C'est pas mal le petit effet. Ah, tu aimes la... J'aime le feu. Tu aimes le JPEG animé là mais, tu aimes les GIFs? C'est Beavis. C'est Beavis. Allez, bah, justement, dis-nous. Dis-nous qu'est-ce qui te. Bah, qu'est-ce franchement, te c'est super bien fait. Donc, à mon avis, c'est une vidéo de flamme là pour le coup. Ouais. Je dirais. C'est une vidéo de flamme bien détourée. Parce qu'il y a des mecs qui. Ouais. De flamme. Non, c'est étonnamment bien fait, je trouve, effectivement. Mais attends, reviens. Est-ce que c'est une flamme qui est toujours face à toi? Le truc que j'aime pas. Ouais, c'est ça. En fait, c'est toujours la même image, mais face à toi. Tu vois ce que je veux dire ? Comme à l'époque des jeux... Ouais, genre Road Rage sur je sais pas quel. Ou même les Doom. Toutes. Ouais, les Doom. Ouais, c'est vrai. Olympique, en fait. Pas mal. Donc, mais une belle flamme, quand même. Je le reconnais. Sur ce stream de... Putain, mon gars, t'as un chargeur de... Tu fais deux fois ta tête. Ah, t'as un chargeur de mec qui a sumo lit, hein, et qui a sur au lit. Ouais. Qui a sur au lit. Chargeur 30 cm, moi. Allez. On parlait, Murder qui parlait de compenser tout à l'heure. Faut demander à Mia. Hein. Ah, mais Mia, elle est morte. Comment faire? Ah ouais, comment faire? Ça a tremblé, hein. Ah, il peut comprendre. Non mais là mec, il y a des flèches et tout, on dirait Dark Souls. Hein. A plus, Ago Plux. Oh, ça rime, ça rime. C'est vrai que Chris peut avoir des réponses, vu qu'il a quand même sûrement participé au diagnostic et tout ce qui est examen corporel sur la famille. C'est vrai. Le Caliste est mort. Des géants. Des géants. Ouais, ah, tu te balades avec ce truc sur toi. Doucement, ouais. Ça t'a coupé. Le mec, il a... Tu mets dans ton sac à dos. Heureusement que j'ai pas le retour son. Non mais j'étais choqué, il a sorti un de ces trucs, mon gars. Non, remarque, c'est avec le chargeur, hein. Je pense que t'es... Ouais. Je suis blasé. Ah, t'es solide. Hein. Il est solide, Ethan. Hein. Donc le petit pont. Un pont à la Dark Souls. Ah d'accord, j'ai même pas le temps de l'emprunter. Ouais. T'as pas le temps de niaiser. Ah, je crois qu'il faut appeler Kone là pour qu'il vérifie l'ascenseur. Là, parce que... Et Lindra, tête de tigre. Eh hey, mais t'imagines le mec qui allume des bougies pendant que ça descend et il se fait choper les mains là. Tac, un doigt. Vite, merde. T'es obligé de reprendre l'ascenseur. Ah bah tu passes une semaine à faire ça. Très beau retracing. Ouais. C'est à dire qu'il y a des bougies ou pas, il fait jour, et puis c'est tout. Bah, merde. Hey, vous voyez, sous couvert de blagues, il vous mentionne quand même des trucs qui nous font péter un plomb, quoi. Ça, c'est des trucs que j'aurais pas forcément percuté. Ouais, mais non, mais normalement, il fait noir là, tu vois, à chaque fois qu'il y a pas de bougies. Bah, mais... Non, mais ça devrait. En fait, ça serait stylé si c'était comme ça. Hein. Genre, tu sais, tu vois les lumières qui viennent de tous les côtés. Mais après, on n'a pas vu le plafond s'il y a une lumière. Mais non, regarde. Ah, mais c'est le logo d'Umbrella. Il y a le logo. Incroyable. Il y a un logo. Et pourquoi il est partout? Bonne question. Moi, je pense qu'il y aurait peut-être un lien. Oh mais... Il y a une usine. Ouais, c'est Nestlé. Ah, tu vas te tuer du Nutella. C'est la chocolaterie, c'est parti. Voilà. C'est un conceveur. Est-ce qu'à la fin, il y a... Un ticket doré. Il n'y a pas la maison du 1 ? Est-ce qu'il y a la maison du 1 à un moment donné ? Non. Trop demandé ça... là. Ah, il y avait une maison sympathique. Mais il y avait quand même un segment de jeu. C'est un dommage. Il y a un personnage qu'on adore. On adore, ouais. Qui dure pas longtemps, mais on adore. Malheureusement, oui. Alors, je veux quelque chose avec elle dans le DLC. T'as un problème avec les murs invisibles, toi ? Non, je voyais une paire... Escalier là, je me suis dit, on sait une paire de nichons. C'est quoi une paire d'escaliers ça une se dit pas ça. Ouais, l'usine d'Heisenberg. Donc en plus, le mec est plutôt dans le. Dans ouvrier. Il est plutôt ouais. Ouvrier, le gars. Ouais, j'aurais dit plutôt dans la met, mais. Je crois qu'on en saura un peu plus sur son rôle social avant sa transformation, je crois. Est-ce que, vu que tout est spoilé, est-ce que le temps qui va servir à un moment donné pour l'achever ?
Là, non. Non. Ah. Non, celui-là, non, c'est une épave. C'est une épave. Ça se voit. Ouais, mais peut-être, tu peux lancer, tu sais, l'obus de la fin, là, quand t'arrives pas à le tuer, que t'es obligé d'aller dehors. C'est pas quoi, il est immortel. Vite, il faut trouver une solution. Ah non, habituellement, c'est pas ça. Pas le temps. Oh, c'est vrai. Ouais, mais faut être créatif, tu sais. Des fois. Metal Gear l'a déjà fait. Putain, il a trouvé un truc, le gars. Toujours. La ferraille, ouais. C'est pour les Roumains. Allez, ah, ouais. Ça se passe dans le... Attention, ça se passe dans deuxième carton jaune, mon cher Viper. En plus, c'est plus ce cuivre, si vraiment tu veux être dans le cuivre. Là, si tu en fais une, attention, tu vas pas faire fureur. Oh non, mais non. Elle est trop bien, celle-là. Lui, il est trop bien. Lui, il est content. Il va te faire cartonner. Non, mais Mehdi, il est pas compatible avec ce genre d'humour. Qu'est-ce que vous faites, là? Vous êtes fous? Vous voulez me casser, là? Ouais, vous voulez que le mec arrête son stream? Je suis choqué, là. Ouais, ah non, mais on sait très bien que même s'il arrête le stream, il continuera. Il a déjà du mal à se retenir de jouer hors stream. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ah bon? Ah oui. Ah oui, oui. Toi aussi, tu mets 18 à ce jeu, là? Ah, moi, pour l'instant, je mets rien. Déjà, je mets 1, je mets pas de notes. Oh, Julien Chies, quoi. Voilà. Tiens. Julien, je mets pas de notes, moi. Ok. Oh bah, Amir, tu feras Carole Quintaine. Ouais, voilà. Salut les gars. Salut les loulous. Alors, vous devinerez jamais. Déjà, c'est les Madeleines quand même. Un peu de. Ouais. Mais c'est mieux. C'est mieux franchement, mais Amir, tu fais aussi bien ça que plutôt un coucou. Coucou les gars. Mais moi, je les aime bien ces deux-là. Je sais pas pourquoi personne ne les aime. Moi, je les aime bien aussi. Je te jure, hein, moi je valide leur présence dans les médias. Ah non, moi, non, c'est des moi ils m'ont rien fait. Donc, Ils disent des bêtises. Ils sont très très gentils, ils n'ont rien à dire. Ah, et, écoute, Il y en a. Moi je vais te faire je vais te dire un petit truc entre initiés, tu vois. Genre, il y en a, ils ont l'air un petit peu humains quand tu les vois dans les streams, mais quand tu les vois en vrai, ils t'adressent pas la parole, tu vois. Et puis t'en as qui ont l'air un petit peu focus comme ça, mais en fait ils sont super sympas. Donc, un petit peu. Voilà, donc il faut juger les gens sur pièce, comme on dit. Tout à fait. Ah. Et qu'est-ce que c'est? Beaucoup de trucs derrière le rideau. Oh my god, il y a un portrait de. De l'enfant. Il n'y a pas Ethan. Il n'y a pas de photo d'Ethan. Ah non, Ethan lui. Attends, on voit à droite, il y a le. Il y a les Patriots là, non? Il y a Solid Snake. Les là, Lilou Lélo. Tu veux sniper le cul? Non mais en haut à droite c'est pas Solid Snake. Oula, t'es perdu Mehdi. Vous êtes trompé de série monsieur. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a une espèce de code génique. Attends, bouge plus. Il y a pas une photo de Las Plagas quelque part là? C'est quoi Las Plagas? À gauche. Je sais pas, tu m'as dit de plus bouger. Ça ressemble pas aux Plagas. Tu m'as dit de plus bouger. Pas bouger. C'est le cadeau. Ou c'est le cadeau? Je peux pas, vous m'avez refroidi. Je peux pas te dire. Oh, non, ça c'est Chris. C'est là mais que non, t'aimes. Tu vois la photo de Chris. J'aime bien voilà, lui. Là, celle que tu vises là. Oui. Celle que tu vises, on dirait une radio de Plagas. Ok. C'est... Ouais, Raiden, t'as trop raison. Il faut faire son propre avis sur les gens. Moi, j'ai été beaucoup déçu. C'est pour ça que je t'ai dit ça. Est-ce que t'as été déçu par Mehdi? Il est resté. Bah, Mehdi, tu crois quoi? Dès que le stream s'arrête, il me dit rentre chez toi. Le masque tonne quoi. Moi, j'ai des sous quand j'étais déçu d'être sous. Oh, il a enlevé le rideau. J'aime bien, ça fait 5 minutes que j'inspecte. Mais qu'est-ce que c'est que... Le verre était fait mal. Là, c'est pas bon. Et salut, Amy. Heureux d'ailleurs, oui. Comme ça, tu pourras se verre, ça. Mm-hmm. Le moment comique. Ouais. Moi j'ai pas le bruit donc je comprends rien hein, aux blagues, hein. Merde. Hein. Tiens. Ah j'ai le droit, bah merci. Comme les jeunes, vous mettez une oreille chacun. Oui, voilà. Ah non mais tu connais pas non plus. Non mais c'est pas grave, vas-y profite. Je vous entends plus hein, les gars, je précise. Il vous a jamais écouté de toute façon. Putain, quel connard. Mais toi tu vas avoir double son hein. Ah, mais c'est X-Men Origins! Non, c'est pas ça. Mais il contrôle le métal.
Non, sinon c'est quand même bien fait, hein. Je tiens à rassurer. Hein. Non, blague à part, ouais. Bah lui, ils sont toujours bien faits les persos depuis qu'il y a leur nouveau moteur. Là. Oui. Ouais. Je trouve que ce personnage a des motivations qui sont vraiment bien écrites pour une. Pour une fois, oh, ils ont réussi à faire des cheveux qui rentrent pas dans le col, mais les gars, mais bravo. Tu vois, ils lui ont coupé les cheveux. Et salut Pika Marilyn. Excuse-moi, je vous ai vu arriver d'un coup. Je vous salue bien bas. À qui il parle? Aux gens dans le chat. Ah, ok. Le mec, qui parle? Je sais pas. Ah non, je sais pas, il parle à son écran, donc je comprends pas. Ouais, tant que t'as pas essayé. Ça fait deux fois qu'il a écrit à Vachier. Ouais, c'est vulgaire, hein. Est-ce que t'as fait 18? Attends, c'est pas un truc de bromance, là? Ouf. Alors, comment on va s'en sortir, Mehdi? Pourquoi ça va être compliqué, là? Là, on commence à rentrer dans le... Dans le dur. Ça rigole moins. Je suis dans le truc. Dans le truc. Le fameux qui a provoqué une... Et bah voilà ce qu'il me faut en été quand j'ai chaud. C'est un mec avec un grand ventilo sur la gueule. Bonjour, je suis. Ça a provoqué un drama, ce personnage. Oui, bah oui, du coup, j'allais justement le dire, j'attendais le moment. Mais oui, forcément, cette créature qui est donc une inspiration d'un film de 2013 qui s'appelle... Commence par S qui finit par O, non, c'est pas ça. Qui s'appelle comment? J'allais dire qui commence par S qui finit par O. Ça... C'est quoi? Bah, So. Ah! So, c'est S-A-W. Ouais, mais il a fait ça en mode Kyra, t'as vu? Ouais. S-O. J'ai fait en mode je suis bilingue, quoi. C'est S-O, ouais. T'as vu? Inspiration Frankenstein Army. Non, mais c'est. Je sais pas où ils en sont d'ailleurs. Ah, il y a toujours. Il y a un procès là-dessus? Bah, du moins, le réalisateur souhaitait le faire, mais après, je sais pas si ça a été jusqu'au bout. J'ai pas suivi toute l'affaire sur. Ça se voit qu'on n'a pas la même culture qu'au Japon. Mais je te salue, Pika Merali. Mais oui, tout à fait, à ma gauche, c'est Amir qui te salue. Moi c'est Mehdi. C'est vrai qu'il y a les deux noms, voilà. Tu as une double salutation. Hein. Certains en rêvent la nuit, et tu as cette chance. Mais moi, je dis bonjour à tout le monde. Hein. Mais il faut. C'est ce que t'as dit le médecin, c'est bon pour ta santé. Bah oui, parce qu'après, je me sens seul. Ah bah pour une fois. Mais alors Ethan, il est immortel, c'est quoi? Non, tu confonds avec Duncan. Joker. On saura beaucoup de choses sur Ethan, sur tous les personnages que l'on a croisés. Bientôt. À la fin. Vraiment, la grosse vague de révélation se fait à la fin. Non mais attends, qu'est-ce que c'est que ça, Virtua Cop? Là, je comprends plus rien. Ouais. Là, on dirait House of the Dead. The House of the Dead. Si tu regardes bien, en fait, ce sont des... Pourquoi ils ont un casque VR, là? Bah, des trucs à vision nocturne, j'ai envie de te dire, et j'imagine que ça va servir dans pas longtemps. C'est le Virtual Boy, si on regarde bien. Oui, c'est ça. Ouais, c'est surtout, ouais, des casques de contrôle. Ouais. Pourquoi ils disparaissent, Mehdi? Ils prendraient pas un peu de RAM? Le mec, dans 5 minutes, il va tirer sur mon t-shirt. Et pourquoi? Amir tape sur la carrière à côté, vas-y là, Xka, allez, tu prends la confiance. Trop chaud. je pense que je dois être en retard de... Ah, je suis très en retard. Dans la vie, tu veux dire? Il a dit c'est un immortel. Bah alors pourquoi on meurt dans le jeu? Je comprends plus rien. Oh, il peut en question bête. Est-ce qu'on a des infos sur pourquoi Heisenberg a hérité de l'usine? J'ai plus le... en tête le truc, si on nous le dit ou non. Parce que Donna, bon, la maison, on sait que c'est parce qu'elle a toujours vécu là-bas à la base. Ouais. Dimitrescu, parce que c'est son château familial. On est dans des histoires de notaires, là, c'est ça? C'est que Moreau, lui, il a reçu son lac aussi. Bah, Heisenberg, lui, c'est lui qui a eu sa propre usine, qui a fait un peu à sa tête. Ouais, faut voir. Après, il a dû payer des impôts là-dessus, certainement. J'ai un doute, c'est un document qui en parle. Problème de succession. Faudrait qu'on ait les actes de propriété. Là. Parce que c'est vrai que c'est celui qui a le moins de passifs réellement en document, on va dire. Parce qu'après, c'est lui qui parle de sa vie lui-même, donc on en apprend au fur et à mesure qu'on avance dans l'usine.
Mais vraiment là, à proprement parler, sur des documents, on n'a rien sur lui. Juste des infos sur qu'est-ce qu'il a fait avec toute l'usine, enfin avec tout ce qu'il pend dans l'usine à décrocher. Il lui a dit, oh ouais. Non, oui. je m'en balèque toujours. Putain, tu m'as là. C'est le Gunther du jeu. Dans le registre de Balek, je suis pas mal. Allez, bon courage. Ouais, ce qui est marrant avec lui, c'est qu'il est immortel. C'est pas comme le marchand dans Hero 4 que si on lui tire dessus, il meurt. Il applaudit. Il vous sourit, il applaudit. D'accord. Ah, tu as une valise si tu veux. Oui, important. Tu as des valises sous les yeux. Déménagement, pas de valise. Pas de ma faute. Qu'est-ce que c'est que ça? Il est pas bien le SOCOM là? Le SOCOM? Bah, lui là. Celui-là, là. Mais non, c'est celui de Snake ça. Samurai Edge, l'arme signature. Oui, parce que Mehdi a des trucs que nous on n'a pas eu si on n'a pas précommandé. Ça a lui les trucs de la Deluxe Edition. Ah, c'est ça, la richesse, ça offre certains avantages. Ah oui! Putain, le chargeur de branleuse. Tu me rappelles, David, que oui, il a. Donc le fameux document du Deluxe Edition. Le document que l'on avait parlé au tout début. Voilà, oui. Qu'on lira à la fin du jeu. Oui. Terminé en beauté. Promis, soyez là. Et vu que Mehdi ne l'a pas lu, il sera aussi étonné. Et on va voir s'il arrive à déduire avec les documents qui parle. Ouais. C'est Wesker. Vas-y, continue. En plus, t'as pas mal de chance, tu lâches ouais, comme sûr, ça, c'est pas possible. Mais non, c'est Spencer. Ah, pardon. Ça rime, c'est pareil. Oh, Wesker, Spencer. Ah, c'est la petite souris dans Code Veronica. La souris de Code Veronica. Non, c'est les rats qui mangent le G-Virus dans le 2. Alors, attends, un crochet dégueulasse de quincaillerie dégueulasse coûte plus cher qu'un kit de premier soin. D'accord. C'est fou, hein, où va le monde? Je crois vraiment que le mec a besoin de revoir sa carte de prix. Là. Je peux pas comprendre. C'est toujours ça. Ah, c'est le marché des affaires d'Europe de l'Est. Quoi. Voilà, ils font avec ce qu'ils ont. Mais qu'est-ce que... Appuie sur les boutons si t'as envie, là, depuis tout à l'heure, je te vois les regarder. Je ne vous entends pas. Appuyez sur le bouton. Là, j'entends rien. J'entends beaucoup trop avec lui. Donc celui-là, il est pas compatible VR, c'est ça? Non, heureusement. Pourquoi? Vu ce qu'ils ont fait sur le set. Mais c'était pas bien en VR? Je l'ai trouvé vraiment pas bon en VR. Enfin, beau. Pas bon, mais pas beau. Mais c'est normal, mec. Malheureusement, vu qu'il a pas les mêmes performances que la console en elle-même pour retransmettre l'image, j'ai trouvé que l'image, elle faisait vraiment downgrade. C'est pour Amir, hein, le... Mais c'est normal, c'est inévitable. Il y a deux images en même temps à rendre en parallèle. Et le truc, c'est que dans le set, ce qui m'avait fait sortir de l'immersion, c'est vraiment le coup des bras qui volent. Ah ouais? Je croyais que c'était le set de manière générale. Aussi. Oh. Ça, c'est Mehdi qui est méchant. Non, mais je vois qu'à l'écran, on doit choisir sa position. Ouais. Ah mais Mehdi, déjà, il a pas aimé The Last of Us, alors déjà, hein. Ah, t'es de mauvaise foi, tu sais que... T'as pas aimé The Last of Us? C'est pas que j'ai pas aimé le rythme du jeu. Et j'ai pas aimé l'écriture non plus. Bon, certains vont me dire ça fait beaucoup. J'aime bien à chaque fois taquiner, titiller avec le petit bâton sur Last of Us. Comme ça. Ah, il en manque deux même d'ailleurs, ma chère Amy. Donc c'est dur de commander un... Pourquoi il manque des doigts là? Parce qu'il les a perdus plus tôt. Ils sont où? Comment on utilise... Le couteau, il doit être forcément équipé pour pouvoir l'utiliser ou... Ouais, il faut l'équiper dans la raccourci. Oh, c'est nul, comme dirait Homer. Tu l'as dans ton raccourci? Mais non. Ouais. Tu l'as pas mis aussi. Ah, je croyais. Mais enlève le sniper, c'est pas un truc que tu sors toutes les 5 minutes là. Oh. Ouais. Je sais pas. D'ailleurs, en parlant de ça. C'est pas une pizza? Je l'ai mis à quelle place? Aucune. Très bien. Vas-y, mets-le en bas là. Non, je vais le mettre à la place du. Je lance croquette. Ouais, exactement. À la place du fusil à pompe parce que c'est un fusil à pompe. Ouais, c'est ça. Ah bon? Ouais. Bah, pourquoi vous l'avez pas dit? Pour que je puisse, le couteau? Pour que je puisse vendre l'ancien.
Bah tu pourras le vendre tout à l'heure. Oui, d'accord, je pensais que c'était le... Bon, bah je vais déjà vider les 6 cartouches dessus. J'ai vu que ton inventaire, il est vraiment tout petit. Hein. Ce que je vois, tu peux mettre tout ce que tu veux dedans. Non ? C'est du second degré. Je vois ça. Non, je cherche Resident Evil, là. Ah, ça, ça ressemble un peu. Ah, ça, j'aime bien. Ça, j'aime bien. Ça, j'aime bien. On dirait le 2, là. Non ? Ouais, je vois. C'est vrai que ça ressemble à... ça peut faire penser à l'usine qu'il y a dans le 2. Ouais, voilà, l'usine voilà. De traitement, je sais plus comment ils appellent ça. Mais... Ouais, voilà, on est d'accord, on est d'accord. L'usine de traitement des eaux ou des... Ouais, des eaux, des... Ouais. Putain, j'ai réussi à lui tirer à côté, quoi. D'ailleurs, j'ai détesté ce boss-là, mais c'est dans le 3 aussi, je crois, il y a ça, je sais plus, c'est... Un certain boss ? Non, mais je sais plus si c'est le c'est celui du 2 ou du 3, là, qui est invincible, il m'a rendu ouf. Non, c'est Boris, je crois que c'est dans le 3, tu confonds. Je crois que c'est dans le 3 où tu, à un moment tu tombes et tu te retrouves dans un endroit comme ça. Je parle des remakes. Hein. Dans une arène ronde. Ouais, ouais, ou... non, je sais pas, un truc comme ça là où tu te retrouves contre des murs, puis tu te prends des claques et puis tu prends encore des claques. Et puis, Tu parles pas d'une mauvaise soirée Ah oui, voilà, rien à voir. Je confonds, excusez-moi. Non, c'était mercredi ça. En plus, oui, je confonds parce que Nemesis portait du cuir aussi, comme la personne qui était. Ouais, moi. Mon gars. Donc, dans le remake, je trouve qu'il fait plus sac poubelle au niveau de la tenue. Hein. Ah bah. Il y a un peu de ça, c'est vrai. Ça fait un peu costume fait par son gamin, quoi. Regarde, papa. Mais limite, ce que tu parles, ça me fait pas se penser à Parasite Eve, le premier. Ah, le Parasite Eve. Vous avez vu Non, le 2 il n'existe pas. Du coup, ils vont ressortir le 3 en mode, en mode avec tous les ah ouais DLC là, c'est ça? Ah ouais? Avec l'horloge et tout là, tout celui qui manque, était là. Sorti que sur. Ah non, tu parlais de Resident Evil. La rumeur du 3, c'était en fait une espèce de blague. Ah, c'est drôle. Oh, je suis mort de rire. Ah, je suis. Une rumeur de Reddit qui tourne. Il y en a qui pensent qu'il y a une. Ils disent qu'apparemment le 3 remake a une mise à jour sur Steam, donc bon après. Une définitive édition. On verra où t'es. Tiens, hé, regarde Amir, il y a un fil devant l'écran. Oh, c'est très très gênant. C'est très très gênant. Non, c'est parce qu'il est gravité, parce qu'il devenait fou. Il est bien animé, hein, il est bien animé. Ah, la validation d'animateur professionnel. Il est plutôt bien animé. Ok. Il n'y a pas un mec qui a réussi à sortir la caméra de la tête du personnage pour voir quelle tête il avait, mais je pense qu'il a pas de tête, c'est ça. Alors, quand tu fais la. Quand tu retires la caméra FPS, oui, il n'a pas de tête. C'est un mec sans tête. Ah, j'ai la tristesse. Il sans tête. Ça va la rotation de photo, tout se passe bien? Tranquille. Alors, docteur? Rentre pas. Est-ce qu'on a quelque chose qui pourrait... Une photo, peut-être. Dans un trou. Non plus. Ah, de toute façon, on sait très bien que... Dans les débuts, c'est toujours le... Oh, la manivelle. Ah ben, on peut rien mettre dedans. Ça ne rentre pas. Faut quand même faire explorer les niveaux. Hein. C'est ce qu'il disait au début avec Ethan, au début avec sa femme. Ça ne rentre pas. Non, j'ai rien. Mais ouais, Parasite. On dirait qu'il manque quelque chose. Parasite, le 2, j'ai eu un peu de mal. Enfin, faudrait que je le relance, mais j'avoue qu'à l'époque... J'ai le 2, mais j'ai jamais fait le 1. Et le 3, m'a-t-on dit, est pas si, ouais, est pas si mauvais que ça. Ouais. Third Birthday, là. Ah oui, se peut. Est-ce que je peux parler du bestiaire? Mais on t'en prie. Ah bah voilà, j'ai fini, il n'y avait rien à dire. C'est gratuit. Oh là là, comment c'est méchant. Ah là, c'est un tacle par derrière. Non mais attends, mais des mecs, c'est des zombies avec des haches et des casques VR. Tu veux vraiment que je te dise quelque chose de positif là-dessus? Non, non, mais c'est pour ça que t'es là. Bah en fait, tu crois que ça coûte combien de... Là, il est pas encore tombé. Tu crois qu'il a payé combien de casques VR à Heisenberg, là, ces zombies, tu crois? C'est vrai que ça commence à coûter cher en équipement. Bon, vu la qualité, je pense qu'il y a... Déjà, il n'y a pas d'assurance hein, dessus. Oh, tu sais pas, hein. Tu les as pas... Déjà, ils sont tous... Il y a encore de la batterie, ils sont allumés. Hein. Garantie 2 heures, peut-être. Ça, c'est bien ça. Ça, c'est bien ça. Jeu d'ombre, jeu de... Je me demande bien ce qui va se passer. On dirait qu'il n'y a pas assez de courant. Et je me demande bien où il faut aller pour mettre le courant. Tu vas te faire... défoncer. Mais moi, je veux le stress de quand tu rentres dans le 1, dans la morgue, tu vois, je veux des trucs comme ça. Monsieur est exigeant. Non, je vais avoir peur. T'inquiète pas, il a pas de pile. Ah.
Il est pas sur le charge, il est pas sur la batterie externe. Il a un casque. Ah lui, il a le VR2 lui. Je vais dire. Pourquoi tu perds tes balles toi sur le... Comment? Parce qu'il va se réveiller bientôt. Bras, ça ferait pas un peu un côté BioShock quand même? Oh, si peu. Bah, va falloir trouver la sister pas loin. Big Daddy, Monsieur P. J'ai le moula. T'as la moula. Allez. Alors, y a des rebondissements? Bah ouais, il vient de se réveiller. C'est vrai? Ouais. Qu'est-ce que t'as fait? Tu l'as vénère? Le mur est destructible, regarde. C'est ça qui t'a dit, non? Moi j'ai pas le sang, donc... Interaction avec le décor. Mais où tu vas, là? Bah là, il faut mettre le moule. Je le sais pas encore, mais je vais te poursuivre à mort. Ouais, tu m'étonnes. J'en peux plus de voir cette clé à fœtus à 6 ailes. Je te jure, tu peux les jeter, les objets, ou pas, là, non? Non. Ce qui est bien, c'est qu'il reste dans son coin après. Il boude. Tu l'as fui, il boude. Ça se trouve, il te mytho pour pas que tu regardes et que tu te fasses déchirer la nuit. Ouais. Bah, jusqu'ici, ils sont de bons conseils. C'est intéressant cette mécanique où on fait la modélisation de l'objet. Ce qui fait penser à Code Veronica dans la prison du début, où on a également un petit moment. Oui, avec la pièce en cuivre pour passer le détecteur de métal. Ouais, une espèce de médaillon d'aigle pour la porte centrale de la prison. Ils sont bien les deux, ils ont plein de références à tous les Resident Evil qu'ils connaissent bien. Eh, je t'avais dit, c'est des experts. Ouais, c'est pour ça que tu les as invités et tout. Oh, moi, je crois qu'elle a les mains beurrées, cette créature. Et si vous faisiez que des références sur Resident Evil Outbreak? je peux, quand il y en a, j'essaye. C'est vrai? Il y a une très jolie serveuse. Mais parce qu'il y a à peu près tous les décors dans les Outbreak, non? Ah oui, d'ailleurs, pour les gens qui me connaissent pas, c'est mon préféré, c'est le Outbreak. Voilà. Ah, c'est bien. C'est bien. Alors, tu vas le détester, hein, je n'ai jamais réussi à le finir. Mais ça se finit pas, Outbreak. Le but, c'est de mourir. Ça se finit. Moi, je considère que mourir dans Outbreak, c'est finir aussi Outbreak. Donc. En fait, c'est que le premier, j'ai jamais réussi à passer la deuxième mission, tellement que j'ai jamais réussi à comprendre comment le jeu tournait. Enfin, c'était à l'époque aussi, donc à l'époque PS2. Et le 2, j'étais arrivé jusqu'à sortir du zoo et je me suis tapé deux tigres. Ah, ouais, c'est sale, ça. Ça griffe un peu, ça. Mais si... Ah, putain, merde, mais mec, tu vois pas que... Hein, pas de ce côté, là, ça va. On dirait le vieux couple en bagnole, mais tu vois pas qu'il est en train de piler, là. Et il va se le prendre, il va se le prendre, quoi. Bah oui. Tire pas. Ouais, ouais. Voilà. Ah bah... Après, il a survécu. Oh putain! Ah bah, il s'est dit, attends, non! Ouais, je retourne! C'est quoi qui m'a tapé le. Ah, celui-là il a pas été assez perturbé. Il a été moins con. Eh, hey, t'as une capacité à tirer entre les méchants. C'est assez développé. C'est mon super pouvoir. Oh là là! Non. Mais Mehdi, on dirait moi quand je forçais le passage et que je suis mort. Et réellement, hein, c'est ce qui m'est arrivé la première fois. Je suis Mister à peu près. Je sais pas si t'imagines la déluge de d'énergie qu'il faut là pour faire tourner un truc qui sert strictement à rien. À la main. Non, il y a des hamsters en dessous. Ouais. Ah. Et en plus, du coup, pour te répondre, Amir, par rapport à Outbreak, il y a des références dans Resident Evil 7 et dans le 2 remake. Alors attends, on recommence. Il y a des références à Outbreak dans le 2 remake. Alors, dans le 2 remake, il y a quoi comme référence? Le bureau de Rita. Rita qui est un personnage qu'on croise dans le scénario Justice de Outbreak. Mais le. Comment il s'appelle le héros là? Enfin le beau gosse là. On le Léon? Non, bah le Léon de Outbreak. Kevin. Kevin, je vois. Kevin, il n'y a pas son. Il n'y a pas dans le 2 remake, c'est dommage d'ailleurs. Même le panneau du nom dans la salle où il y a le bureau de Léon, ils auraient pu. Ah, ils auraient pu, mais c'est surtout que normalement. Il a son casier. Et le casier, il se trouve là, on récupère le magnum dans l'original. À la base. Tu peux récupérer des glaces dans le truc? Ouais, mais non! Allez, faut regarder, hein, monsieur, faut regarder. J'ai regardé à gauche et à droite. Il n'y avait rien. Et il devait faire la part... Et d'ailleurs, il devait faire la part 3 du Outbreak, ils l'ont jamais fait. Il y avait Outbreak File 3 qui était prévu avec des scénarios. Et il y avait des pertes. On a encore cassé le jeu. Mais ça a été annulé.
Parce que les ventes n'ont pas été rendez-vous. Je suis pas mauvais. Bah, c'est vrai que le jeu était bien, mais le problème, c'est les temps de chargement et tout. Ça rendait fou les gens. C'est vrai que les temps de chargement. Là. Alors, pour ceux qui se demanderaient, hein, les Outbreaks, c'est une série sortie sur PS2 et qui avait la spécificité d'être jouable en ligne. En ligne, ouais. Et c'est seulement aux États-Unis et au Japon, parce que nous, en Europe, finalement, on ne l'a pas vu. Voilà. Alors, quand on dit en ligne, c'est pas genre comme les trucs dégueulasses qui nous sortent maintenant. Là. Comment il s'appelle le dernier, là? Reverse? Non. Oh, doucement, tu nous l'as fâché, là. C'est Résistance. Résistance, le dernier officiel. Non, mais attends, Reverse... Ah, il y a Pika Maralin, pardon, qui avait joué au Outbreak, mais pourquoi t'as pas eu le courage de jouer en ligne? Mais le jeu, il est fait pour être joué en ligne. Pour moi, ce jeu, c'est-à-dire, le but de ce jeu, c'est pour moi, c'est l'ultime Resident Evil, parce que c'est comme le 1, sauf que t'es pas le personnage principal. Et du coup, tu peux crever, et c'est pas grave, parce que ça fait partie de l'histoire. Et là, tu te dis, mais c'est horrible, ce film d'horreur. Et tu te dis, bah ouais, en fait, c'est comme ça. Il est totalement complémentaire à tout le lore de Resident Evil. J'ai vécu des trucs dans ces jeux que jamais je ne reverrai dans aucun Resident Evil. Genre t'es abandonné dans les égouts et t'es en train de crever et tu finis par t'en sortir et à la fin t'arrives et en fait tous tes potes ils sont morts depuis longtemps et t'es le seul gars et en fait c'est genre c'est toi qui as réussi à finir tout seul alors que tout le monde t'avait abandonné comme des lâches. Ce qui est vraiment bien et ce qui était on va dire innovant, c'est vraiment la gestion que ça soit la gestion de l'inventaire ou toute autre chose. D'accord, tout est content comprends. Réel. Je comprends. Mais qu'est-ce que vous avez à tout surler là ce soir? Je suis en train d'essayer de parler au chat. Bonne soirée, Amy. tu vois ce que je dois gérer, hein, c'est niveau éducateur là avec. Est-ce que je peux, on peut dire. Je plaisantais, c'était simplement pour répondre non, à. Non, c'était pour nous couper sèchement et irrespectueusement. À Picameraline. Il en a marre d'Outbreak, il s'est dit ah oh, j'en ai marre de Resident Evil de base. Alors déjà, c'est pas il, c'est elle, parce qu'elle dit je suis québécoise. Ah, autant pour moi, excuse-moi. Donc, à part si c'est un paquet de clopes, je vois pas ce que. Marilyn, autant pour moi, en plus. Ouais. Puis, le temps que ça monte au cerveau entre Pika et. Toutes mes confuses. Par contre, pour jouer à Outbreak, aujourd'hui, il faut le bac plus 5. Parce qu'il faut installer le jeu en émulateur. Déjà, étape 1. Ouais, tu peux y jouer sur PS2 aussi en mode. Mais après, il faut installer le serveur. Je sais même pas si les mecs jouent encore à ce jeu. Bah, il y a plus simple, là. Maintenant, sur PlayStation 2. Ils cartonnent, les serveurs Jap cartonnent. Hein. Le jeu a une seconde vie depuis un bon bout de temps. Même des speedrunners. Mais le problème, c'est que quand tu joues maintenant, tu te retrouves avec des mecs qui ont fait l'armée, là. Et genre, tu commences, les gars, ils sont sur chaud, quoi. Quand on prend l'exemple, par exemple, de Bogba Soup, un streamer le plus compétent et heureux, il fait un Canadien, en plus. Il fait quasiment du melee weapon sur Outbreak où ils font les niveaux balais et tout ça juste au. Il fait du quoi? Melee weapon. Ah pardon, arme de poing. Arme de poing. Que les armes. Je crois qu'il y en a même un, c'est pas. J'ai pas envie de dire de bêtises, Orchlon, je crois qu'il l'a fait. Ou Carcinogène qui l'a fait en no damage. Carcinogène, il fait des no damage sur Outbreak. Ouais. Il y en a pas, il fait tout avec que les coups de pied de Kevin. Non, il y en a pas un qui fait ça. Non. ce serait intéressant. Mais moi je kiffe le coup de pied de Kevin. Je trouve qu'il aurait dû être remis dans le 1, dans le remake du 1. Ils auraient pu clairement. Moi j'adorais ce jeu. J'adorais ce jeu. T'as pas tort parce que tu peux finir les scénarios sans armes et sans te faire toucher. C'est prévu dans le jeu, c'est dans l'écran de résultat. T'as une petite section où c'est soit no weapon ou. Alors, c'est vachement intéressant parce que je pensais que c'était uniquement le lieu qui était purement industrialisé, mais là on a, enfin j'apprends parce que moi je découvre le jeu avec Amir, c'est qu'il y a des clairement je vais y arriver, des expériences, c'est voilà, c'est plus français, expérimentation aussi, mais qui consiste donc à stimuler, donc là on est sur des corps morts en fait simplement. Voilà, il reprend des corses, donc ce sont des. Voilà, et d'où ta référence, je suppose, très appuyée sur la créature du Dr. Frankenstein tout à l'heure, Wiper. Ok, je comprends mieux. C'est le moment où il nous montre qu'il sait de quoi il parle. Vas-y, continue. Quoi? T'as dit quelque chose? J'écoute. T'as
ça accentue toujours plus le côté et... aussi usinage. Et puis qu'il y a Méraline qui est en train de nous dire qu'elle soft mode sa PS2 pour y jouer sur hardware. Bah après, c'est même d'ailleurs le moyen principal. Sur Home Station, ils ont fait carrément des serveurs pour pouvoir jouer à Outbreak. Mmh. Ah, c'est intéressant par contre. Non mais faut qu'on y joue là, moi je veux bien y rejouer. Hein. Non mais ça y est, le rendez-vous est pris. Hein. Moi je ramasserai Mehdi et tout, et c'est trop bien ça de ramasser les mecs par terre. Genre, quand c'est comme dans la vie après les soirées. Non mais c'est fabuleux, tu ramasses un mec, tu sais qu'il va peut-être se transformer en zombie, mais t'as pas envie d'être seul, alors tu le ramasses avec toi et tu mets 2 heures pour avancer. Tout ça, vas-y, retranscris-moi tout ça dans ce jeu où on est en train de regarder des morceaux de mur depuis tout à l'heure. Hein, tu dis vas-y, alors, allez viens copain. Le Outbreak, il y a un côté très, très humain, et travail d'équipe, mais... Mais ouais, c'est fabuleux. Genre, le gars qui tient... Le mieux, je crois, mes meilleurs souvenirs, c'est genre, tu tiens la porte pour pas que les zombies rentrent, et les autres, ils s'en battent les couilles, ils se barrent sans toi. Tu te rends compte qu'en fait, tu tiens la porte tout seul et que t'es au milieu des zombies. Le mood pour cette pièce-là, en fait, Lady. Faut juste que tu retournes... T'as la moula, il a dit. T'as juste fait demi-tour au lieu d'avancer à la porte. Le mot moule. La moule. Tu connais le mec qui a la clé aussi dans le jeu et qui veut pas ouvrir la porte et qui te laisse crever. Ça aussi, c'est des mecs bien. Bon, on le tue lui à un moment donné ou pas? Bah pour l'instant, je vais pas trop prendre de risques. C'est un mob. Il réfléchit là. Mais connais-tu les points faibles grâce au document? C'est vrai que j'avais besoin du document pour. Mais non! Oh, comment il t'a feinté! Ouais. Il t'a tué carrément! Ils aiment pas les mains de. Je crois que tu. Ça va, tranquille, perçage de cœur, tout va bien! le gars, il a fait un quadruple pontage, mais tout va bien! À mon avis, t'as faim maintenant, hein. T'as un trou. Allez, les gars, je suis refait! Hein. Tout va bien! C'est bon, les gars! Détente! Dans Resident Evil, normalement Resident Evil, le zombie s'approche de toi, il y a écrit vous êtes mort. Là, tu te fais sodomiser dans le torse. Empalé, tu appelles ça comme tu veux. Mais le gars, il fait non, c'est bon, ça va. Je dois appuyer sur un interrupteur, je suis occupé. Même pas mal. Oh, un petit verre d'eau et ça ira. Oui. Les comprimés. Ceci n'est pas un exercice. Oula. Une caisse pas en rapport niveau éclairage, certainement. Oula, un truc à l'intérieur. Mehdi est perdu. Bonjour. Attends, il était devant, il est derrière, je crois. Non, c'est un autre. Ah, c'est en mode Goku. C'est Inception, c'est normal. C'est où les boutons pour faire de la musique là? Matrice, c'est ah, vas-y, bah, c'est en haut à gauche. Alors là, je revois un petit chameau. Alors, est-ce qu'il va faire, mais... C'est ça. Voilà comment rendre un homme heureux. Je pense qu'on a tous joué en infiltration ici. Ouais, je crois, je sais même plus, moi je m'en rappelle plus. Peut-être j'ai foncé. Ah, il y a de l'infiltration dans ce jeu? Tu peux te mettre à genoux, ouais. C'est pas excessivement présent, mais... C'est comme l'infiltration dans FF15, quoi. Il y a de l'infiltration dans FF15? Ah oui, tu pouvais surprendre tes ennemis, je crois. Ouais. Ah. C'est comme l'infiltration dans Metal Gear Rising. Oh! C'est vrai, mais bon, c'est pas le but du jeu quand même. Non. Y a que Murner qui fait de l'infiltration dans Metal Gear Rising. Comme le mec qui essaie de jouer au sabre dans Metal Gear 2, quoi. Ah, je le faisais. Je me disais, c'est plus rigolo. C'est vrai. Tu passais d'un Metal Gear à un Ninja Gaiden en version Wii. Mais je crois que c'est quand tu finissais le jeu, après tu vas avoir le sabre pendant tout le jeu, c'est ça? Je crois, oui. Oui. Parce que tu l'avais qu'à la fin du 2, et après tu pouvais l'avoir dès le début. Et tu affrontais Solidus. Solidus. Eh bah dis donc. Je suis comme ça, moi. Si on pouvait couper le courant aussi facilement. Son et lumière. Bah on peut d'ailleurs, hein. Hop. Voilà. Tac. On est comme ça. Je suis complètement noir. Ah, il y a un monsieur qui est sorti du mur. Oh. Ouf. Destruction de décor. Allez, c'est reparti.
Attendez, monsieur, je sens qu'il y a encore quelques artères à rembosser. J'ai pas complètement fini le piercing. Ouais. Moi, j'avais trouvé mon astuce favorite pour les trucs. Il arrive là. Je sais, t'inquiète. Juste pour info. Juste pour info. Bonjour. Il arrive. Juste... À droite. À gauche, la clé. N'oubliez pas. Ah, technique de protection. C'est vrai que ça marche bien sur les perceuses et tous les trucs pointus. Technique de défense. Ah non, il y a un trou, putain. Non, je ne te regarde pas. Si je ne le regarde pas, il ne me voit pas. Hop là, bonjour. Le contexte était bizarre. Putain, il est vraiment déconnecté de la réalité. Avant, tu peux te baisser, c'est plus rapide. Tu peux pas mettre des coups de pied retournés et tout. Oh, ça marche, ça. Bah ouais. Ah oui, bah oui. C'était pas juste pour couper le courant. Non, c'était pas que pour les sbrouf. C'est comme dans... C'est des... Allez, Mehdi. Alors, Mehdi, tu veux une souris, Mehdi? Tu veux que je te prête une souris pour viser? Tu veux? Ça va? Vous avez besoin de rien? Non, c'est bon, j'ai du papier. Moi, tu sais, le truc qui me rend fou, c'est que les meilleurs joueurs de Call of Duty, c'est ceux qui jouent à la manette parce qu'ils ont une aide à la visée. Call of. Donc, en fait, ça sert à rien de t'entraîner à la souris. Spoiler. La seule chose que tu peux avoir de mieux quand tu joues à la souris, c'est les ampoules. Comme ils appellent ça, les turns. Vraiment, tu fais un 180. Ah, les demi-tours. Ouais. Voilà. Tu peux te retourner beaucoup plus facilement. Mais il y a une aide à la visée dans celui-là. J'ai pas l'impression. Hein. Je sais plus. Oui, mais elle est très, très légère. En facile, hein. Tu veux brancher une souris? Maintenant, ils ont mis des trucs assistés que en facile. C'est assisté, c'est beaucoup. Hein. Ah! Voilà, une bonne baffe, tu lui as tourné le dos. C'est ça. Eh, regarde-moi, j'ai besoin d'attention. Mehdi, il a souvent envie de voir des textures, Mehdi. Oh. Ouais, il regarde la rouille. Ouais. Des balles. Ah. Oh. Toujours dans un trou. J'ai glissé. Ça devient dangereux. Ça y est, il est perdu. Ouais, je reviens sur mes pas là. Ouais, t'es sûr? Oui, oui. Putain, les gars, ils sont chauds quoi. Ouais, il fait combien de fois le 8 là? 8 fois là, 15 seulement. Officiellement. Ma sauvegarde, selon la police. C'est à peu près 7 fois, mais moi j'en suis à plus de 10. Ah ouais? On est à 15 ou 20, je crois. Mais... Il y a un moment où tu te dis, je connais déjà. Mais putain, j'ai. Bah, le problème, c'est qu'après, il y a la partie stand-by. Pourquoi ça marche pas? Parce que tu tires sur les ennemis. Mais non, j'avais tiré. J'avais tiré. Le viseur, vu qu'il était. Il est ça fait la croix, c'est récupéré en précision. Ouais, on dit ça. Mais ouais, moi, je crois que je l'ai fait 3 ou 4 fois. C'est déjà pas mal, hein. Et il se passe toujours la même chose à la fin. Bah ouais, la petite Ingal se tombe dans la pente. Ah non, mince, attends, c'est une mauvaise licence. Allez, Mehdi, tu peux le faire. You can do it. Pourquoi tu cherches? Oui. Pourquoi tu cherches les problèmes? Mais t'as ouvert la porte, là, casse-toi. Non, en fait, il se met devant et il fait, oh, vas-y, viens. Et après, il a peur. Non, un gros bouton rouge, que dois-je faire? Viens, en cours. C'est comme moi avec Dimitres, que la première fois je lui ai tiré une balle dans la tête, je fais alors, puis là je la vois courir, je fais non, c'est bon madame, c'est bon, j'ai rien fait. Je te jure. Et j'ai fait c'est bon, je vous embête plus, promis. Voilà, t'es une miskina quoi. T'as appelé un ascenseur pour descendre toi-même par les escaliers. Une passerelle. Ouais, tu as appelé une passerelle pour pouvoir avancer, et toi tu t'en vas. Ouais. Mais y a pas des. Je sais pas, je regarde s'il y a des items. C'est trop le mec qui vient du. Tu es déjà passé ici. Voilà, c'est là où il y a le moule. Ah oui. Ben retourne à la passerelle, gars. En fait, c'est parce que Ami, là, tu es en train de lancer les trucs, tu es en train de te perdre. Nous, souvent, on le regarde, puis on voit où il va. Ouais. On doit rien dire, nous, on n'a pas le droit, donc on se peut ouais, on est là. Ah, mais moi, je connais pas le jeu, hein, j'ai le droit de. Il a le droit de le faire, non. Ah, bah, le mec est chelou, hein, donc je suis obligé de le dire. il appelle une passerelle et il se dit, bah, je me casse. Eh, hey, t'es refait là, t'as 4 balles. Remarque, Amir, t'as l'avantage, tu peux pas être Théo. Time out. Tu peux pas te faire time out ou ban là. Il a pas encore toutes les arcanes. Non, moi je suis pas. De... À moins qu'il t'attrape par le Froc. Voilà, puis.
Comme mot qui... J'ai encore des trucs à apprendre, tu vois, je ne suis qu'un jeune padawan. Jamais je t'ai au Amir, ni sur les lives, ni dans ma vie, quoi. C'est beau ce qu'il a dit, j'ai pas compris, mais ça a l'air beau. C'est comme quand tu bannis, tu sais, mais momentanément. Ah, bonjour. Bonsoir. Vous voulez pas couper le saucisson du duc? Ah, je pense que là, ça fait ça fort. Ça fera une belle brochette à kebab. Mais c'est qui le kebab? Il y avait un mec derrière toi, je crois. Alors, 1, 2. Oula, oula. Position latérale de sécurité. Ça sert à quelque chose de faire ça en vrai ou pas? Pas bien sûr, ça saute vite quand même. Non mais dans le jeu. Allez Mehdi. Ah, je crois que t'as quelque chose entre les fesses là. T'as un suppôt. Ou dans le ventre, je ne sais pas. Tu peux pas lui donner lui donner un peu d'argent ou quelque chose pour qu'il arrête? T'as jamais, David, t'as jamais ouvert la porte en une fois avec un certain objet pour aller plus vite? Il est en train de te proposer de lancer une grenade. Ouais, parce que moi je l'ai fait au lance-grenade, ça marche bien. Mais... Oh oui, c'est très efficace. Alors les grenades, les bombes artisanales, c'est efficace aussi. Parce que... Ah, c'est vrai. T'es sûr qu'il y a devant toi? Lance-grenade, j'avais fait, mais pas les bombes, c'est vrai. Oh pétard! Ah, le ventilateur! J'ai oublié de l'éteindre. Et encore maintenant, il y arrive à me faire des jumpscares ce passage. Ah bon? Ah non, pas de button machine. Ah, c'est peut-être parce que vu que tu sais pas à quel moment il apparaît. Oui, c'est à chaque fois, je l'oublie. Il y a la musique de Resident Evil là? Genre avec une pièce. Ah non, oula, oula! T'attends quoi là? On va voir à quel point c'est résistant. Off. C'est de la damantium. C'est ça. Voilà, c'est ce qu'on appelle un script, hein, les enfants. Exactement. Voilà. Allez, ciao. Il y a un chat qui ronfle dans cette pièce. Ah oui, c'est un caisson de basse. Hein. Chelou. Chelou. Ça, il a un chat, il est chelou, quoi. C'est le sub du home cinéma. Je la prête à Bob Sinclair, des fois, quand il mixe. Putain, mais il va falloir... Et mec, il faut nettoyer ta plaie, là. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça pourrit un peu sur ta main, non? On peut pas regarder ta main droite, là? C'est parce que Ethan, c'est un ripou de base. Ah. Ils ont pas de valeur, ces mecs. Alors, il y a un truc qui est rigolo, c'est que dans le jeu, nous avons un trophée. Si tu arrives à tirer sur un des corps qui est suspendu sur la chaîne de fabrication, derrière toi. Eh ben, c'est précis. Il va pas le faire. Dessus, tu m'en fais tomber un et tu as un trophée. Vas-y, fais-le. Pas avec ça. Ça aurait été drôle. Mais faut tirer sur quoi? Sur le corps. Oh my god, it did it! Incroyable. Trop fort. T'as pas eu le trophée, toi? Si, je l'ai désactivé, c'est seul, simplement. Oh, c'est pas bien. Désactivé. Alors que t'aurais pu te la péter. Pourquoi ça sent le... Ça sent les parfums, là? Ouais. Ah, Mehdi, t'es... C'est pas chez moi. Ah. C'est pas chez nous. C'est pas chez nous. C'est quit hanging around. Très joli jeu de mots. Alors, je pourrais pas te dire. Traduction. Arrête de rester accroché, normalement, c'est de déconner, mais ouais, arrête d'être collé à mes basques, on pourrait dire. Parce que là, j'ai envie de dire, toute ta console est en anglais, mais il y a marqué jeu des maths. c'est le nom de mes dossiers. C'est de l'anglais. C'est jeu des maths. Jeu des maths. Bien. Donc, on va revendre le fusil à pompe. À ton ancien fusil. Ah oui, n'oublie pas, oui. Merci. Tu peux acheter de la dynamite et tout. C'est de la dynamite. Ah, c'est ça la phrase. N'oublie pas qui tu es. C'est dans quoi? C'est le roi lion. Oh là, excuse-moi. C'est grosse rêve. Hein, c'est niche, c'est niche. C'est la base. Hein. C'est trop adulte pour moi, ça, moi j'ose pas. C'est trop adulte pour moi. Alors l'argent c'est des laits. Lay. C'est des laits. Lay, ils adorent. Ah. Et c'est des chips, c'est des lays. C'est des lays. C'est ça les lays. Chip damage lays. Voilà, c'est ça exactement. Le crossover improbable avec du jeu de baston. Je peux vendre ces fruits. Adieu. Adieu Yuri.
Mais t'es blindé là. Ça va, ça va. Mais t'as 117 000. Achète du bitcoin. C'est le dernier là. Resident Evil, oui. Non, le fusil à pompe. Ah. Le SIG, ouais. Oui, c'est le dernier. Putain, le gars, il a des gars dans son oreille qui lui disent s'il faut le grader ou pas. On me dit dans la régie que c'est le dernier. J'aimerais bien jouer comme ça à Resident Evil. Et dans cette pièce, il y a un danger. Hein. T'imagines ? En fait, ça fait vraiment cinématique, quoi. Les gars, mayday, 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 mayday. Mayday, mayday. Alors, on est à la 27e sauvegarde. Voilà. Mais tu les supprimes toutes à la fin ? Bah oui, faut faire de la place. Après, il efface la sauvegarde, le jeu, tout ça. J'efface tout. Il ne s'est rien passé. Il fait ça, le... Après, il jette la PS4 dehors. Là, c'est bon. J'ai goût de luxe. On l'a fini, le jeu, là ? Allez, on passe à la PS5, Amir, maintenant. Là, Amir, si tu cherches bien, dans son placard, il y a le gant de l'infini avec les 5 pierres. Dom, dom, dom. Tu l'as rangé où, Mathieu ? Mystère. Mais il n'est pas Iron Man. Non, heureusement. Thanos is the best. Non, je connais sa chambre, c'est toujours les mêmes trucs. Il y a du riz si tu veux. Tu veux du miel? Le gars aime le miel, hein, je peux te le dire, il en a de peau. Bah, et crois-moi, quand tu fais des streams, des cours et que tu bosses en tant que psy, tu utilises ta voix en permanence et le miel, tu le bénis quand t'as une extinction. Ah, c'est vraiment pour ça? Bien sûr. Non, mais j'aime bien le miel en tant que tel, mais je veux dire, j'en ai autant pour cette raison-là. C'est un truc qu'on m'avait conseillé quand j'avais des maux de gorge ou. Avec du citron. Ouais, voilà. Romarin, citron. Moi, on me disait un petit lait chaud avec du miel dedans. Ouais, ça marche bien aussi. Mais l'idéal, c'est. Concert. Quand t'as gueulé un chanteur aussi, c'est ça. Ouais. Ou alors, un des batteurs d'un groupe m'avait dit ouais, sinon, il y a le whisky qui passe bien. J'étais, ouais, je sais pas. Donc là, on en apprend un peu plus sur les motivations d'Heisenberg. C'est vrai. Vu qu'il faut, plus tu avances et plus il t'explique ce qu'il veut. Et c'était quoi la discussion? J'ai pas trop fait attention parce que il y avait la réplique de ton ami batteur. Il t'explique un peu pourquoi il veut utiliser Rose. Donc l'enfant de Miranda pour le mal qu'elle lui a fait. C'est qui Miranda? Mère Miranda, c'est la grande. Le gourou. C'est ça, la chef. D'accord, et on la voit, on l'a pas vu dans les trailers celle-là, non? Mais du coup, ils expliquent pourquoi Chris Redfield il a changé de design entre le 7 et le 8. Pas encore. On a Est-ce qu'il a fait de la chirurgie esthétique? Moi, ouais, bah, il me choquait pas plus que ça. Non, mais c'est pas, il a pas la même tête, c'est ça le problème. Ah, c'est parce qu'ils ont voulu rendre le avec le moteur. Parce que c'est le c'est la photogrammétrie qui a fait ce changement. What? Ouais, parce que le Aero Engine, bah on sait que. Oh, tiens, tu avais le contre. Ah oui. Il a réussi à faire le contre, mais il n'a pas fini. Il n'a pas fini. Ils ont dit t'es pas bon. Ouais. Ouais, voilà, c'est traduction. Comme une scène que j'ai utilisée dans une commande, c'est t'es mauvais, t'es mauvais. Je viens de le diffuser. Bah voilà. T'es mauvais, Jack. Ah non, moi c'est dans Les Bronzés font du ski. Quand aussi. Sur le clavier, il fait sa compétition de ski, puis que. Elle lui sort le t'es mauvais, t'es mauvais. Et moi je l'ai mis en commande avec les points de chaîne. La base. On aime bien me le rappeler. Il est tombé dans un produit chimique. Mais qui? Joker. C'est marrant, il y a plein de boutons sur ton truc là. Si vous entendez des sons dans le live. Il y a Jean-Pierre Foucault. Oui. C'est pour quand tu veux faire une ambiance un peu. Alors moi ce qui est bien c'est que j'entends pas sur. Non mais eux non plus en fait, parce que c'est pas. Ouais, nous non plus. Personne n'entend. Si, les gens sur le live. Ah. On est privé de son. Non, parce qu'ils font chier à chaque fois à rebooter. Ouais, parce qu'elle est en boucle. Ah, ça t'emmerde. Ah. Non, ça m'emmerde pas, c'est simplement que ça saoulera les gens, je pense, dans le live. Ah. S'il y en a qui sont très très fans, hein, n'hésitez pas.
Ah, pourquoi Chris il a changé? Effectivement, il est tombé dans les. Du coup, il est tombé dans un produit chimique et est devenu comme le Chris original. Non, en fait, ça. Il a fait un régime entre le 5 et le 7. Ah ouais, le régime comme j'aime. C'est le changement de logiciel. Ouais. Okay. Ouais, parce qu'avec le Hero Engine, ils ont... en fait, ils avaient dit qu'ils voulaient rendre tous les personnages beaucoup plus réalistes. C'est ça, en fait. Vu que Chris ne... le... bah, c'est clair qu'il ne faisait pas réaliste. C'est du second degré, ça. Hein. Mais non, mais ils voulaient repartir sur des nouveaux designs, genre c'est un reboot, je sais pas quoi. Mais bah, les gens, ils ont... C'est juste que pour faire la photogrammétrie, c'était obligé d'avoir un vrai acteur. Et du coup, ce qu'ils avaient trouvé à l'époque pour le set, c'était un mec dans la rue qui ressemblait vaguement. comme on voit bien que Léon et Claire n'ont pas le même visage entre le 2 remake et tout ce qu'il y a eu entre les films et tout ça par la suite. Il a vraiment pas le même visage. Ça me rappelle l'épisode de Friends où... Où Phoebe et Joey ont un blind date, ils doivent se faire rencontrer quelqu'un qu'ils connaissent. Et genre, il a complètement oublié. Et il dit, ouais, si, je t'ai trouvé un mec qui s'appelle Mike et tout. Et il arrive dans le café et il gueule Mike. Et il trouve un mec qui répond, il va le chercher. J'imagine la même scène, mais pour un mec figurant à faire Chris. Dans un bar, t'as Amir qui arrive, qui fait Chris. Oui. Oui, c'est moi. Et là, faut que j'appuie là-dessus. Unagi. Oh, joli. Oui. Tu fais même comme Wesker dans le 5, tu fais un Chris. Chris. Ah, mais je connais ça, j'étais de l'autre côté tout à l'heure. Mais t'as pas ramassé. Comment on peut défoncer ça? Ah, c'est une croix, explosif. Donc c'est un truc explosif. Okay. J'aurais dû le faire pour l'autre avant. Ouais, du coup. C'est de la dynamite. On vous martine. Ok, donc tu la lances à cette distance et tu n'es pas blessé. Tout va bien. D'accord. Ah, c'est Ethan. Ah, c'est Ethan, c'est une formation militaire, c'est pour ça. Ah, c'est le nouveau nom de code pour dire laisse tomber, tu fais chier avec tes questions. C'est non, bon, d'accord, ouais. On va sortir la phrase universelle, ta gueule c'est magique. Ouais. Voilà. C'est le fameux TG. Non, c'est ta gueule, c'est Ethan maintenant. C'est ça. Oui. Voilà. Ethan. Ah, je me souviens pas, j'ai une culture Bob l'éponge assez faiblarde, mon cher Raiden, donc n'hésite pas à nous préciser le... Il s'appelle Raiden, il s'appelle pas Raiden. Oui, pardon, Raiden. Raiden... C'est Raiden, ouais. Ah oui, quand il devient amnésique, je crois. Je sais plus. C'est très drôle que tu dises ça. Il y a tellement d'épisodes aussi à la fin... Ah ouais, quelle idée, une série avec des épisodes quoi. Bah, ouais. On est loin de la fin là, c'est ça? Qui regarde encore des séries? C'est quoi qui tombe là? Des bouts de choses, des bouts de gens. C'est la pluie. Il pleut des immeubles quoi. C'est... Ouais, c'est ça. C'est l'équivalent breton de l'usine, en fait. Il pleut. Mmh. Mmh. Un petit coucou à nos amis bretons qui vont tous me unfollow. Tchernobyl, c'est un peu une mutation. C'est le système économique depuis le Brexit. Oh, belle métaphore. Ah, ok, les mecs ont des jetpacks. Ok, je dis rien. Alors, j'admets qu'ici, je suis mort une fois. Ah bah... Genre de mort de rire. Mort de peur aussi, même. Mort de peur. Tu te fais attaquer par Iron Man et ouais, ça te fait peur. Il est arrivé là, il a fait. Mais lol. Lol, mais PTDR, t'es qui? C'est ça. T'es qui dans l'e-sport? Oh, c'était un beau lancer ça. Ouais, mieux lancé. Ah, dans les pieds. Hein, dans les... Il est mort là? Oh, oh, je suis... Monsieur. Je vais délicatement poser une mine devant toi et tu vas pas comprendre que c'est dangereux. Oh, une mine! Il a pas bonne mine. Il a pas bonne mine. Eh, te mine pas pour ça. Oh là là, mais... Eh, mais c'est Cyclope! Eh, tu connais la femme du chef des Gaulois? Bonne mine. Oui, c'est ça. Non, mais attends, s'il les avait tués avant dans le jeu, ils seraient là ou pas? Ah, c'est vrai que j'aurais pu faire ça. Ah oui, c'est... Oui, c'est oui, ils sont... Ils se seraient évités, ils seraient... Il se serait évité les jetpacks et tout. Ah, oh, ça fait un petit peu Boba Fett. Ouais, mais... J'avance jamais sans ma mine, anti-personnel. En plus vénère. Serre-moi fort, Johnny, ouais. Johnny, fais-moi mal.
T'es en train d'arriver avec, tu sais, ton Uber Eats chez toi, là. C'est quand tu viens de recevoir la commande. Oui, c'est ça. Dépêche-toi, là. Tu le veux, ton pourboire, ou pas? Oh là là. Vas-y, casse la caisse avec la mine, là. Alors, que faut-il faire? Oh, il l'a fait. Il va faire. Non, fais pas ça. Attends, tu préfères une balle de fusil à pompe à une balle de flingue? J'avais plus de balle de flingue. T'avais plus de balle de flingue? Non. Ah, il bouffe tout. Il bouffe tout. Tu vas sacrifier. Mais là, tu vas te faire... Heureusement qu'il me l'a dit, parce que j'y allais. Hein. C'est vrai. Tu vas te faire raser, mon gars. Et je crois que tu peux pas, de toute façon, monter. Ah, il doit d'abord. Vas-y, essaye de monter, là. Sauf que tu peux il pas. Il a compris. Il est fabuleux. Je connais pas le patron. J'ai vu des lampes de toutes les couleurs. Mais il est formidable. Oh, t'es gentil. Formidable. Oula. Pousse-toi, le baron. Oui. Est-ce que les balles, elles tracent les barreaux? Ça doit être marrant, ouais, cette... Faut demander à un avocat. Ça doit être marrant, cette séquence en speedrun. Ah, vas-y, fais-moi ce petit bout, là. Souvent, tu le fais... Ça faisait très sale. Il y en a qui le font au pistolet, mais ils savent où se placer avant de trigger les deux. Ouais. Moi, en fait, je me mettais vraiment... dès que j'arrivais, je tirais sur les trois et ensuite je montais. Il en manque un. Eh oui, il ne peut en rester qu'un. Amir qui me fait « Vas-y, fais-moi ce petit bout dans l'oreille. » En contexte. Okay, mais j'ai rien dit, moi. Moi, arrête. Je vois pas qu'est-ce que... Ah non, c'est chiant, là. On voulait arriver. Ouais. On était bien. Là, il faut redescendre pour tirer celui qui est tout en dessous, je crois. C'est un peu idiot, d'ailleurs, en termes de rythme. Qu'ils aient pas fait en sorte que ce soit... Allez. Putain, la quantité de particules, mon frère. Ouais. Dans ta gueule, Sauron. Quoi? Oh! Oh, comment il t'a dit mur invisible, attaque! Oh là là! Boomerang! Mur invisible, attaque tout de suite! T'imagines? C'est un Pokémon, mais ils font que des attaques de bugs de jeux vidéo. Ah, c'est pas drôle. Non, mais Mehdi, il a cassé le jeu. Hein. On a eu un bug de boss. C'est tout craqué. C'est bien, il y a des secrets. Attention, maintenant tu vas pouvoir prendre l'échelle et sortir de cette zone complètement dégueulasse. Il a pas peur de la rouille, hein. Mais là, Mehdi, parti comme t'es, tu pourrais presque faire la fin. Eh, tu vois? Ouais, ça se trouve. Ouais, je pensais on est où? Ah si, on est sur 2 heures, là. Ah, on va peut-être faire le suspense, hein. Ah, du coup, non, il aura pas fini le jeu, là. Non. Parce que là, il approche du... Non, et... quoique... Il a pas Je hein. Pas si longtemps que ça. Ouais, c'est ça, ouais. Fais voir. Vas-y. Fais pas si longtemps. Pas si longtemps. Ouais, vas-y, fais pas si longtemps pour voir. Pas si longtemps. Ah oui, non, il reste encore une chose à faire avant le boss. Faut nettoyer, hein. Maintenant, tout ce merdier là. Le soldat jet. T'es bien amusé, mais bon. Capacité de vol limitée. Soldat Panzer. Ouais, ben dis donc. Invincible contre les armes. Je crois qu'il y a des références à déjà un petit peu. Ouais. J'adore la pureté de leurs armes. Ça prend un peu Code Véro, sur la Seconde Guerre mondiale. Code Véro. Ça fait beaucoup moins stylé, je trouve. Code Véro. Y a pire, hein. C'est comme McDo, hein. Il y a eu une parodie audio de Durendal. Lui, il l'avait appelé Résident Sénile, Code Véronique X. Oh ouais, il a réussi à me faire sourire un jour, moi. Bah, il existe des films, je crois, des fan-films, tout s'appelait Resident Evil. Oui. Ah, oui, ah, ouais. Tu as trouvé un truc intéressant, là. J'ai une question pour vous, les professionnels. Oui. Vous validez les designs de la série Netflix, là? Ah. Malheureusement, je n'ai pas vu, à part les trailers. Enfin, les photos, là. Bah, moi, je trouve la qualité graphique de la série Infinite Darkness, c'est plutôt joli. Non, mais je parle de la série live, moi. Quand je dis les designs, c'est-à-dire... Je parle le Léon barbu. Le Léon pakistanais et... Claire, ça passe, moi, vraiment. Tu fermes un œil. Jill, bof. Richard, ça va. Ah, Wesker.
Vous nous avez trigger Acopolux qui vous dit quelle série. Mais de quelle série vous parlez? La série live. Mais je parle de la série là qui avec les photos qui ressemble au premier Resident Evil. Là, avec des, reboot, mais avec des acteurs. Mais c'est pas un film, c'est une série, non? C'est un film. Ah, c'est un film. Ouais. Reboot, c'est un film qui se tise en ce moment. La série que peut-être tu parles, c'est avec les filles de Wesker, mais c'est pas encore pour ma part. Oh. Quoi? Oui, ah. Oui, ils vont faire un film avec, avec deux et enfants, ouais, des jumelles. Je suis hype de feu. Mais moi, je pense que... Ils vont nous la faire... comment à l'envers, oui. Non, Wolfenstein Youngblood, genre deux personnages féminins insupportables que t'as envie de taper. Non, alors attendez. Allez, tu veux une souris? Tu veux une souris? Tu veux une souris? Tiens, regarde, il y en a une. Tu veux une souris? Je crois que je vais demander à Amir de m'envoyer un vocal. Je vais la mettre sur ma soundboard. Tiens, vise avec ça. Que je vais galérer sur les jeux. Je mettrai. Tu veux une souris? T'as besoin de... Tu veux un mousepad? Je suis sûr au trackpad c'est plus facile qu'avec la manette. Par la pensée. Je suis sûr au tactile c'est plus facile qu'avec la manette. En tout cas, ouais, la série Netflix, moi je vais regarder. Enfin, si j'ai les moyens, enfin la possibilité de regarder, je regarderai. Mais les bases qu'ils ont mis dedans, j'ai une part de moi qui dit non, je peux pas. Genre, les bases. Par exemple, il y a une rumeur disant que Jill et Wesker seraient en relation. Oh, et croustillant. Bah, à ton avis, Brad, qui est le pilote de l'hélico qui s'enfuit et comme Ahmar. Voilà. Et bah là, il est dans le manoir. Il est dans le manoir. Ah. Ils ont pas des flingues, ils ont des fusils d'assaut. Bah, attends, mais ça, c'est attends. Oui, mais à la base, ils y vont en reconnaissance, c'est-à-dire qu'ils laissent le matériel vraiment important dans l'hélico. Donc c'est un remake du 1, c'est ça? C'est parce qu'ils ont pas les... C'est des gardes forestiers à la base. Des mecs. Ils ont pas de... c'est la police montée. Ils n'ont pas un armement... Non, mais moi, je vous mets un billet que ça sera mieux que tous les films réunis. En fait, le spoiler, c'est que c'est des Canadiens, c'est la police montée. Ouais, bah, ils se battent sur des chevaux. Moi, je suis clairement sûr que ça va être meilleur que, en tout cas, les films d'Anderson. Clairement, il y aura. Ouais, c'est pas dur. Hein. Je pense que c'est fait avec un certain amour de la série. Parce que, certes, les gens tiquent sur des détails, mais tout ce qui est décor et tout ça, je pense qu'il va. Les décors sont très bien, mais les personnages en eux-mêmes, le visuel et ce qu'ils essaient de faire comme travail dessus, on va dire en background. Même Lisa Trevor, quoi, en version PS2. En final, le mieux qui a aussi, c'est Chris. Je sais pas de quoi on parle. Non, j'ai perdu le film. On parle de la série live ou de la série en 3D, là? Moi, j'étais... Non, la série live, ils vont mettre Lisa Trevor qui est dans le HD remaster. Ah oui, je l'ai vu. Elle est moche. Moi, j'étais... Avec un masque d'Halloween. Moi, j'étais resté sur le cosplay Japan Expo, là. Du... Ah, les... bah, de... Ouais, de Léon, là. Léon. En fait, on a dans les films d'Anderson, on a un Léon qui a l'air d'être un ancien alcoolique, et dans le film live, on dirait un mec qui est complètement, il se néglige, quoi. Mais c'est Léon Massala, Tika Massala, il s'appelle. Il sort de Beuvry. Là, ils ont l'impression qu'il a confondu Léon et Carlos. Léon, tu te laisses aller. Ça sent la petite fille qui se néglige, quoi. Gna gna gna, Murder Idol. Ça suffit. Oh. Tu te calmes. Voilà ce qui est écrit. Moi, je suis comme... Je suis d'accord avec... Je regarderai, mais quand je verrai toutes les incohérences qu'il risque de créer, à chaque fois, je ferai un « What ?» Genre, tu sais, je mettrai un « What » à côté de moi qui mettra un bâton à chaque fois. Oui. Comme les gens enfermés qui deviennent fous et qui comptent les jours. Merde, il est fou. Si je revois encore cette clé de fœtus, je perds tous mes moyens. Pourquoi ça jette pas automatiquement les objets inutiles dans celui-là? Rappelez-moi. C'est le futur spécial du 1, c'est ça, sur 96? En fait, le truc, c'est que dans Village, tous les objets clés sont en dehors de l'inventaire. Ce qui fait qu'ils ne te prennent pas de place inutile dans l'inventaire.
Ouais, c'est ça. Ça, c'est vraiment un coup de génie, quoi. Ouais, c'est une excuse de merde, surtout voilà. Parce qu'on en avait parlé par rapport à la gestion de l'inventaire dans le 4. Ouais, on en avait grave parlé. Direct. J'étais pas là. Ouais. Et on en avait parlé. Wallah, on en avait parlé. 16ème sauvegarde, Amir. On est bien. Moi, ce que j'aimais dans le 1 aussi, ça me faisait royalement chier. Mais quand la clé, je l'avais oubliée dans mon coffre et qu'il fallait faire demi-tour, ça me stressait, mais c'était bien. C'était ça que j'aimais. Bah, c'était une mécanique, c'était le but. Voilà, donc c'était une feature du jeu. Maintenant, j'ai une clé de fœtus qui traîne toujours sur moi dès que je veux ouvrir un truc. C'est... sérieux, clé de fœtus, excuse-moi, je trouve ça un petit peu bizarre. Ah, mais en même temps, on est dans... C'est des Japonais qui ont fait le jeu, donc oui, ils ont toujours décidé. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Alors, Mehdi? Ouais, je cautionne plus trop. Il cautionne plus. On m'a dit que... Non, merde, je voulais pas revendre les soins, je voulais acheter. Bah tant pis, je vais les racheter. Hein. Alors là, je me félicite point. Putain, tu peux même pas le racheter. Oh. Pourquoi indisponible? Parce que pour l'instant, ils ont pas envie. Tu me désappointes. Je suis... Prends-moi du parmigiano, s'il te plaît, dans la cuisine. Je voudrais une case fromage. La faim. Le troisième streamer. Je vois pas de... Est-ce que c'est dans la caméra duo ou dans la caméra solo? Ouais, il y a deux caméras solo. De quoi? C'est qui le troisième streamer? Il y a un coup qui demande qui est... C'est quoi le nom du troisième streamer? J'arrive pas à lire. En plus, il a une bonne bouille. Parle de moi, là. C'est moi le troisième streamer? Je suis pas le troisième streamer. Ah, tu souris beaucoup, t'as des lunettes, ça doit être lui. Il s'appelle Mehdi. Aime le Mehdi. C'est ça, Mehdi? C'est ma chaîne. Bonjour. Bonjour. Enchanté. Bah, t'en as trois avec des lunettes. Voilà, mais bah, t'es mal barré. Ah, j'ai... Ah, en bas à gauche. Wow. Mais j'avoue, ton nom, il est tout écrasé. On peut pas lire, là. Vas-y, présente-toi. C'est parce qu'il y a les deux. Il y a... C'est David slash Wiper, en gros, qui l'a mis, Mehdi. Mais c'est voilà. Pour préciser, là. Dave slash Wiper, écoute-moi. Derrière toi. Je vais dire un truc. Derrière toi. Il faut, mec bourré. Il faut que tu pousses le meuble parce qu'il y a une clé cachée dans le mur, je pense. Voilà. Ça ressemble beaucoup à un truc que j'ai vu dans le 1. Aide-nous. Je fais du cosplay du manoir d'Arthur. Ouais. On dirait vraiment un truc de Resident Evil. Ah, en plus, il a la coupe de Léon S. Kennedy, hein, donc ça passe. Hein. Donc en tout cas, ça rejette les gens qui n'ont pas de lunettes. On pourrait presque faire le cosplay de Léon et même Steve de Code Bureau. T'as vraiment une bonne tête, hein, il a dit. Hein. On demande le lien. Alors le lien. Mais écris quelque chose. Écris quelque chose. J'ai plusieurs liens, ça dépend. Avec qui? Avec quoi? Mon lien principal, c'est. Ben, ça dépend sur côté cover et future vidéo guide qui vont arriver. On va vous mettre tout ça. Vous agitez pas. Je vais m'en occuper. Après, j'ai les réseaux sociaux, il y a Discord. Mais fais CTRL-C, CTRL-V, c'est tout. Mais il peut pas. Ah pourquoi? Parce que c'est le truc de le mode, l'auto mode de. Du chat qui accepte pas les liens en cas de spam et machin. Ah, oui. Donc il faut que je le balance moi. Et là, Ako, tu fais du rejet de personnes qui n'ont pas de lunettes parce que. Lunettophobe. Mais regarde, il y a 3 personnes sur 4. Ah, j'ai plus de batterie. Ouais. Moi, je n'en ai pas. Adios. Et bah. Tu en as. On va peut-être s'arrêter là-dessus. Non, t'inquiète, je passe en mode téléphone. Allô. Allô. Mais la commande, ça se capte mal. Non, mais moi, c'est. En fait, le trait d'humour est un. Qu'est-ce que vous en dites pour le spectacle, les gars? Est-ce qu'on s'arrête là ou est-ce qu'il y a un dernier truc à faire ou est-ce que, genre, après, c'est la fin du jeu? Non, là, t'as toute une partie. Il faut chercher la clé avant Ouais, donc ça va être chiant. Et on va se regarder là alors. Je pense que t'es bon là pour le cliffhanger. Comme ça, on aura le mid-boss, La prochaine fois, et l'ultime boss. D'accord, les gars, je vous entends. Et c'est parfait. C'est parfait, donc on va s'arrêter là-dessus. On aime les gens qui aiment Evangelion, bien sûr. Je vais être le premier mec de Twitch à faire un stream avec son téléphone. Bien sûr. Parce que comme on n'a pas... Vas-y, fais la commande au kebab, là, on arrive. Ouais, alors, je vais prendre une 4 fromage sauce algérienne. Et est-ce que vous avez du piment? Un jalapeño. Ah, bah, ça j'en ai. On the stick.
Ça, j'en ai, il n'y a pas de souci. Alors, plus sérieusement, on va terminer en vous remerciant, en vous disant qu'on se retrouvera, si tout va bien, normalement vendredi prochain. Le planning sera fait pendant ce week-end pour que je puisse vous dire tout ça. J'ai mon attaché de presse à côté de moi qui est sur le coup. Je ne serai pas là, donc c'est certainement donc ça aura lieu. On s'est arrêté sur une belle assiette de fromage. Alors, en plus, attends, juste à côté, mais tu fais du piano. Et du pinard. Et comme vient de le dévoiler en mode spoiler ce cher Amir, je vous laisse. Si t'aimes bien sa bouille et ses lunettes, il faut que tu vois ses doigts, mon gars. Tu vas voir des vidéos de ses mains. C'est encore plus stylé. Avec de la ASMR piano. Mmh. Et donc vous pouvez voir les covers de Wiper en attendant le reste de ses contenus vidéo de manière plus globale. Et puis, sinon, évidemment, la team, viens, on en parle. En attendant que nous relancions notre prochain live pour des contenus nouveaux, inédits, vous pouvez re-binge-watcher toutes les émissions qu'on a faites. Oui, je vous entends, Mehdi, oui, continuez. On est d'accord, ouais. Vous m'entendez 35 sur 35. Ouais. Et puis Murder, qui s'est récemment relancé dans la chose twitchesque. N'hésitez pas, tout doucement, on va pas nous faire un claquage. Hein. Donc, Non, j'échauffe au maximum. Pour montrer la complémentarité, je suis le modérateur chez Murder Idol aussi. Parfait. Il y a underscore sur ta chaîne Twitch ou pas déjà, Murder? Oui, entre les deux, oui. Très très bien. Et complémentarité, ça me rappelle quelque chose. Oui, j'osais pas le dire, mais voilà. Donc n'hésitez pas à aller sur la chaîne de ce cher Murder Idol. Quant à moi, vous êtes déjà dessus. Si vous n'êtes pas abonné, followez. Si vous voulez claquer votre prime à l'occasion, n'hésitez pas. Et si même si vous ne donnez pas de sous, on vous aime. Et n'hésitez pas à parler de nous autour de vous. En parlant de prime, oui. Est-ce que je peux auto-primer l'émission dans laquelle je suis. Il faut que je vérifie, voilà, après. Mais t'inquiète pas, au besoin, tu pourras. Parce qu'Amir, en fait, fait la moue, mais en vrai, il s'impatiente. Je suis en communication, là, sur un stream. Ouais, je suis pas avec vous, en fait. Depuis le début, j'étais sur une autre émission. Sur ce, prenez soin de vous. On se retrouve probablement, genre, ce lundi, parce que pas mal de boulot ce week-end. Mais on n'est pas à l'abri d'un stream sauvage. Ciao, ciao. Bisous, les gars. Ciao. On n'est plus en ligne là ?